secondes. D'accord. Pas d'où ? C'est non. C'est parce que tout de suite, j'ai pris une barre à la tête. Salut, commandant. Respect, commandant. Bonjour, commandant. Comme va-t-il aujourd'hui ? J'ai plus ce mordant. C'est quoi, mon gars ? Au calme. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais... Trop beau gosse. Ça va bien. Est-ce que pour toi aussi il pleut, chef? Ouais, il pleut pour moi aussi. Hein. Il pleut. C'est à cause de la recrue bellique qui pleut. En fait, il pleut, mais il n'y a pas la pluie. Qui est-ce qui a chanté? Mais ils ont mis les armes. Non. Ah, je pense que c'est pleut. Ils ont vu la Six. Cool. Hein. Et oui, fais attention. Je suis dégoûté, j'ai perdu ma Six du coup. Mais oui, what the fuck, pourquoi il pleut? Pourquoi il a plu? Il pleut, mais il n'y a pas la pluie. Peut-être qu'il pleut chez le mec. Il n'a jamais plu en 5 ans. C'est quoi cette merde? Ça, c'est le réchauffement climatique, hein. Ouais, le réchauffement climatique, ouais. Justement, ouais. Moi là, j'ai rien du tout. Ah oui, oui. Oui, oui, ça, j'ai, oui. Toujours la même. Elle couche en 5-6 balles parfois donc. Ouais, mais crois-moi, le temps que le gars il te couche en face. Putain. Crois-moi que le temps que le gars il te couche en face. Celle-ci elle couche en 2 balles maintenant. Bizarre. 2 balles, 6 balles, 12 balles. Il va avoir un arc-en-ciel, il va avoir un arc-en-ciel. Quand t'es dans ton lit, t'as la peine de te lever, oui. C'est pas mon plan. Également, vous avec votre lunette de ski, ça me donne envie de partir en vacances. Exactement. Respect. Justement, mais il vient de pleuvoir. Respect. Comment la vie, il faut que je fasse ma prière. Commandant préféré. Respect, commandant préféré. Fais une prière. Il a plu. Regardez, promis qu'ils voient un arc-en-ciel. Pourquoi faut faire ma prière? Je peux comprendre. Il faut que je fasse ma prière. Il a plu. Ouais, c'est un petit style magnifique. Quoi? Respect mon commandant. Respect mon commandant préféré. Respect mon commandant. D'ailleurs, cet individu veut nous strike. Il y a Kelvinou qui arrive. Respect mon commandant préféré. Ça va ou quoi? Ça va et vous, mon commandant préféré? Va te mettre dans les rangs et ferme ta gueule. Tiens, commandant préféré. Bah, Mike, qu'est-ce que tu fais par terre encore hein? Il y a un caillou là-bas qui tu vois, là-bas, il y a... ça non, ah ouais. C'est pas, c'est ultra j'avais envie d'essayer un truc, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu crois que ça met coma ça? Ben, ouais. Test sur Bellic, il est chaud. Ah oui. Prêt, Bellic. En avant. Attention. Pour le shoot. Ouais. Pas ah. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Un peu à ta cul! On est là, on est là! Moi, je dois, Attends, bouge pas! Morphine! Attendez, je vais prendre la température. Moi, je connais une technique, c'est de mettre dans l'eau et normalement, il doit se réveiller. Essayez! Oh, c'est un coup de taser! 46-5 là! Non, non, on va essayer! C'est un coup de taser! Essayez cool, de me démeloter par contre! Ouais, on aimerait bien! Me relève si jamais je vais dans l'eau! Là, du coup, je suis encore pas vivant! Ok, d'accord! Bon! Les Tarlouses! On n'est pas CPA, on n'est pas Cobra. Ouais, ça c'est fait. La dure loi de la jungle, messieurs, est encore présente sur cette île. Nous devons l'anéantir afin de purifier ces créatures obscures qui vivent dans l'enfer. Messieurs, Redfield, Dumas, Albertino, Bellucci, N'Golo, l'île compte sur nous. Les autres unités ne sont pas aussi bons que nous. C'est normal. Nous sommes des killers. Nous sommes vipers. Je veux nager avec les dauphins parce que je le sens très bien. Je veux nager avec les dauphins parce que je le sens très bien. Nous sommes tous 5 les killers. C'est normal, on est dans Viper. Allez. Exactement, en avant, cavalerie. Il m'a plus parlé. Albert, tu veux pour Dédé?
Ouais. Bon, on a comme qui dirait pas fait le dispatch. Bah vous êtes grand, non? Vous n'êtes pas des enfants, à ce que je sache. Ah merde. C'est moi, putain, j'ai encore perdu pognon, putain. J'ai plus de pognon, moi. Vous voulez quoi? Vous voulez de la thune? Putain, j'ai plus de thune, moi, à force, hein. Vous voulez quoi? J'ai des voitures, moi. Y'a une recrue qui revient, en fait. Y'en a qu'une qui reste avec des dés. Comment ça, y'en a qu'une? Moi, ah bah, c'est... Oh, merde. Bon, dis tout. Oh, merde. Arrêtez, vous êtes... Ah, en vrai, je sais que vous êtes heureux. C'est toi qui es heureux en fait. Moi je suis heureux, moi je suis heureux. Moi t'es heureux. Ouais, tu gênes un peu. Ah, je gêne, excusez-moi Maja. Pardon Maja. Qu'est-ce que vous faites Rien. Ouais, ouais. Moi, je suis sûr que vous avez posé une explosive dans mon chien. Une heure, pour une heure, vous allez me mettre en prison. Comment ça va? Je vous aime. Je vous garde à l'aise, je vous garde à l'aise. Ah oui, non, putain, c'est qui a dit moi j'aime bien? C'est Rathiel. Bon, et vous allez vous bouger le cul ou il faut que je vous donne un carton d'invitation? Pourquoi? Parce que c'est... Je sais pas, je vous demande... Bah, il faut une recrue, là. Ah, vous démerdez. Douglas, t'as fait une bonne soirée. Attends, il y a aussi Kelvin, normalement. Il est où, Kelvin? Oui, il est noir. Ah, ouais, tu retournes en Medic ce soir. Non, attends, non, t'as fait hier soir. Bellucci? Oui. Medic ce soir. Bon, bah, je prends encore le noir. C'est ça parce qu'il est noir? Mais donc, moi, je pars. Wesh! C'est quoi ça? Qui c'est qui avait ça? Oh, attendez. Je comprends rien, ça vaut rien ça. C'est qu'il y a des véhicules. On parle qu'une fête à ça, comment? Bah, je sors un bolide. Bah, limite. Sérieux? Bah, ouais. Moi, je suis chaud pour tout, hein. Attends, attends. Putain, mais il va la pousser sa merde là? Oh, pourquoi il la pousse pas sa merde? Comment il l'a poussé sa merde? Du coup, de CPA direction mur. De dispatch. On a pas une 63S nous? T'as une trousse? Ah oh, j'ai encore une trousse dedans. Ouais, sinon j'en ai. Faut que je prenne des chargeurs. Il y a encore ma barbe. Non, c'est la mine. Attends, je prends des chargeurs. Attends, faut que je prenne des chargeurs. Oula. Écoute, Bibi. Commandant. Oh putain, je suis pas là. Qui ça? Qui ça qui m'a critiqué? Commandant Ditton. Ah ouais, je l'ai vu, t'inquiète pas. Il m'a dit que vous étiez pas vraiment compétent, du coup j'ai dit que j'allais vous le dire parce que je suis quelqu'un d'assez gentil. Ouais, t'es surtout un lèche-cul, ouais. Nickel. Ouais, comment? Je sais pas, c'est un major. Ouais, c'est bon, je sais qui c'est. Quel susboule celui-là? Oh là là, oh. Ah. J'en dis pas plus. Oh là 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 là, t'es vraiment un susboule, hein. Oh putain, j'ai peur. Et après, il se fait exécuter. Eh, comment on fait? Matt Grigor dans la place. Attention. Eh, dites-moi, commandant, vous avez une batteuse, vous? Ouais. Ouais, bah ok. Pourquoi? Non, parce que du coup, pour savoir comment on va la jouer, quoi. Ah bah, on va la jouer au bas gauche droite, ABC start. Yo, Mikey, comment tu vas? Bon, allez, je m'occupe de vous. Comment ça va, les gars? Merci, Trunks, d'être toujours présent. Merci, Clino, de ta présence. Merci, Mikey. Merci, Keep245. Non, oui, j'étais but, désolé. Au départ, j'étais but, effectivement. Je me suis rendu compte quand j'ai eu ma claque derrière la tête de ma modératrice qui m'a dit « Oh, t'es but !» Donc, du coup, je me suis dit « mute ». Écartez-vous, s'il vous plaît, messieurs. Oh, bienvenue, mon Louis Del Piero. Merci de ton petit abonnement. Merci. Ma nénette t'accueille les bras ouverts et on t'accueille avec plaisir dans la famille. Merci de ton abonnement. Merci à toi. Bienvenue. I love you. Bah, tu me fais super plaisir. Votre fidélité, rien que votre fidélité me fait plaisir. Bienvenue dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Welcome to the family. I love you. Je vous pisse tous ceux. Bah, vous dégagez ou je vous défonce? Bah, ou j'arrête pas. Voilà, allez, on se casse. Fréquence 2, du coup, nous? Bah oui, fréquence 2. Bah, du coup, pour les Vipers, on passe en 2, je suppose.
Attendez, je passe, passe la piéton à tout le monde. Merci. J'avais vu la route. Désolé, je passe, je passe. Oh putain. Du coup, nous on se met en Charlie. Oh, on se met en Charlie, ouais. Attendez, on se met en Charlie. Hop. Est-ce que. Qui est le plus gradé de Viper? Je sais plus. Qui c'est le plus gradé de Viper? C'est Redfield dans chef et ensuite c'est Dumas, c'est moi. Ok, bah écoutez, le plus gradé prend le lead Viper. Tu fais écho, mon petit Roda. Attendez, j'arrive pas à faire le. Tu vas prendre quel siège de gamer? Bah ça dépend, je sais pas, ça dépend de vous en fait. Ça dépend des dons. Des dons. Plus j'ai de dons, plus je vais en prendre dans les qualités. Je vais faire par rapport aux dons en fait. Voilà. Un véhicule rapide sur position FN. Ça va se voir, le mec s'inquiète. Après, je vais pas prendre un truc de ouf non plus. Je vais prendre un truc normal. J'ai regardé tout à l'heure, il y avait y a pas mal de sièges qui sont pas mal. Parce que comme moi j'ai des problèmes de dos déjà à la base, et comme j'ai un gros cul, je vais prendre un truc assez large. Non, je plaisante. Le commandant a dit le plus gradé en dessous de lui. Bah ouais, c'est ce qu'on disait Mike hier soir sur Discord. Je crois que je vais prendre un des deux en fait. Et les premiers prix c'est 179€, donc correct. Je pense que je vais prendre ça. Parce que au départ, je voulais changer mon fond vert. Mais si j'ai pas le siège, je ne peux pas prendre le fond vert en conséquence en fait, vu la taille. Si maintenant j'ai une profondeur de taille trop profonde, ben mon fond vert actuel sera trop petit. Donc il faut que j'agrandisse mon fond vert en fait. Donc je préfère prendre le siège d'abord et le fond vert adapté après en fait. En gros voilà ma mécanique de réflexion. Bon allez c'est parti, allez en avant les gars là. Allez chill avec dehors. On va bien s'amuser. On va attraper du brigand, on va les envoyer en prison. Merde, j'ai pas de radio. Ah bien. J'ai pas de radio. Merde. Putain, j'ai la radio retournée. T'as un retention, non? Puis on les rattrape, non? Je sais pas. Ouais, le gâteau, ouais, parce qu'en fait, pour la somme de... Si tu veux, ouais. Il y a deux chariots, on a eu un problème, il manque une radio. Si Elgado, ouais, parce qu'Elgado en fait pour le prix de 149€, je crois, ou 129€, on a tout l'équipement fond vert avec éclairage, support, on a vraiment la totale. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai regardé les dimensions, mais tant que j'ai pas le siège, je ne peux pas savoir les dimensions en fait. Je sais pas si je dois passer sur du 2m20 ou du 2m, j'en sais rien du tout. Donc j'ai préféré prendre d'abord le siège et après le Elgado en fond vert pour faire des montages. En gros voilà. Voilà. Tu vas acheter deux chargeurs de stunner. En gros voilà. Allez c'est parti. Voilà un petit peu ma méthode de raisonnement concernant le siège. Et là, franchement, vivement aussi le stream deck de vendredi parce que j'en ai marre d'appuyer sur des touches et ça fait des apparitions d'écran, machin, il y a des trucs un peu casse-couilles. Je vous avoue, c'est pas top. Pas top pour vous en fait. Donc voilà. Salut Raptor, comment tu vas? Tu as beaucoup manqué à ma modératrice avec tes blagues pourries. Doc, pour Bravo, tu viens le soigner, s'il te plaît. Comment ça va, mon petit Raptor? Merci, mon petit Raptor, de te resub. Merci beaucoup. Et ma nénette t'accueille dans la famille, comme nous d'ailleurs. Merci à toi d'avoir resub. Tiens, je te file les clés. Un jour j'aurai un beret comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah, peut-être. Salut Nerilos, comment tu vas? Nerilos TV, bonjour. Bonjour. Et odeur la fifi. Et voilà. La fifi moustache. Salut. J'espère que tu passes une bonne journée parce que là tu vas passer une bonne soirée sur Springfield TV. Ouais. Ouh.
Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh les cons. Hein? Ouais, j'ai bugué. Ouais. Là, j'ai. Oh, c'est les abonnements qui te pleuvent encore. C'est comme les dons. Pareil, je suis en PLS. Merci à tous. Merci à tous. 50 balles, tu te mets à poil, toi? Ah, 50 balles, il se met à poil. Allez, c'est vendu. Alors, pourquoi plus de Syrah? Bah oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait, je n'ai pas quitté Syrah. J'ai été détaché en tant que leader Viper pour remonter un petit peu les départs de la police et former ces choux à la crème qui sont encore recrues là, à devenir des très bons leads des squads. Et après, je reprendrai ma place de colonel, comme Jackson me l'a promis un jour. Et enfin, donc voilà quoi. Non, non, c'est provisoire tant que les unités de base. Les unités de base police soient à bon niveau en fait. Ne vous inquiétez pas. Cobra 8 pour Sherman. On est des pros. Oh, merci mon petit lunatique pour ma petite Blobs, pour son abonnement, pour son resub de ta part. Merci, bisous de la Ménanette et bienvenue et merci encore de la famille. Merci, merci, merci lunatique, merci. Merci. J'arrive. Salut, ça va bien? Les gogo, ouais, ça va tout le long. Ah ben les voilà. Ça va là, je commence à réussir à intégrer ma chevelure aux gens. Ta chevelure. C'est bon, ça passe. C'est bon, ça passe maintenant. Au bout d'une semaine, c'est bon, c'est passé. Bah voilà, fallait attendre quelques jours en fait. Mais je te rassure, je peux toujours changer d'avis, tu vois. Ah ouais, on pouvait toujours. Ouais, ouais, je peux toujours, tu vois. Parce que moi, j'ai pas tendance à oublier, moi en fait. Mais pourquoi vous voulez pas d'une belle chevelure comme ça? Parce qu'il y a une chevelure. Une belle chevelure comme ça me donne envie d'être coupé. Regardez, pendant les combats, paf, c'est un projet sous le casque. Tu vois bien. Vous voyez. C'est un peu ma signature, c'est ma marque de fabrique, on va dire. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que les gens disent « Oh, c'est l'ancien ministre !» Ouais. Oh, ouais, c'était. C'était l'ancien ministre. De merde et qu'on crache dessus tous les jours, c'est ça. C'est ça, ah, ouais. c'est ça. C'est moi qui ai fait le choix, ouais. Et non, je suis pas fou. Bon, je tenais quand même à tous vous préciser, n'hésitez pas à follow pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Vous allez voir, vous pouvez vous discuter avec les anciens. Oh merde, avec les anciens. Oh merde, mais qu'est-ce que t'as fait toi? Un follow, hein. Je suis désolé. Il a bouffé ses cheveux. Ah, il a été flashé, c'est tout. Et donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, à follow la chaîne pour ne rien rater de Springfellow TV, de la communauté, de rejoindre la famille. Et surtout, venez nous rejoindre sur Discord, très important, Discord sur les jeux communautaires, sur R6 et tout ça pour créer des escouades. Et naturellement, YouTube pour revoir les lives et les gameplays au petit déjeuner. Parce qu'il n'y a pas que Nesquik, il y a aussi Springfellow TV. Et Chocapic. Allez, c'est pas mal ça, hein. Il n'y a pas que Nesquik qui est aussi chez Springfellow TV. Pas mal ça. Ouais, carrément. Ouais, j'aime bien. Non, il n'y a pas que Nestlé, il y a aussi Springfellow TV. Eh ouais, oh, bah voilà, c'est ça, ouais. Il n'y a pas que Nestlé, il y a aussi Springfellow TV. Ouh. Quand tu bois ton lait, bah, tu finis avec Springfellow TV. Tu tapes point d'exclamation Discord. Un vrai vendeur du poisson sur sa chaîne. N'hésitez pas. Ah, l'obligatoire, mais toujours. Ça va, mon petit Nario, ça va, tranquille. Attends, je vais te le mettre, le petit Discord. Je vais te le mettre, mon petit Discord, t'inquiète. N'oublie pas que vous avez les commandes aussi sur le chat, hein. Hop là, comment ça, c'est invalide? Non, je l'ai mis à jour hier, c'est pas possible. Ah bah voilà, nickel, mon petit Nazer. Razer ou Nazer, je vois pas bien que l'écran. Razer.
Ouais. Ce que vous allez voir sur la vidéo que je vais vous faire sur l'opening pack du Stream Deck, je vais vous faire la vidéo du setup. Vous allez voir dans quel environnement je travaille. Environnement, certes petit, serré, parce qu'on n'a pas tous 250 mètres carrés de bureau. Et vous allez voir que comment je gère le chat, comment je gère le streaming, comment je stream avec deux PC. Tu vas faire une vidéo setup ? Ouais, mais une petite vidéo setup en plus. Donc voilà. Donc je sais que ça va pas être chiant pour certains, ça va être compliqué. J'ai rien préparé, et ça va être génial. Filmer avec quoi ton téléphone ? Ah, en mille, ouais, avec mon téléphone. Ouais. Bon, allez, pour Viper, on reprend direction Negades, Alpha Bravo, Charlie Doc. À partir, commandant ! C'est pris pour Doc. Bien pris pour Charlie. C'est bon ça. Ok, mon petit Nazar Razer Sinus. T'es devant, avant. En avant, cavalerie! Ouais! Oh. Antonio Nala, il a pas fait la mise à jour encore. Ah oui, c'est beau ça. Vilain garçon. Ah! Quelles sont les ordres du coup? En avant, cavalerie! Ah, mais y'a. Direction Negades pour tout Viper. C'est des merdes, il est grand, hein, le major. Ah, c'est là. Va. À gauche pour l'ensemble des cobras, regardez la fréquence qui est sur carte, mais par cruise vous vous connectez dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Cobra, mettez-vous sur la fréquence sur carte. Je rappelle pour tous les Vipers, 130 km/h maximum. Maximum. Ouais, c'est pour le bout de matin, et pour respecter les limitations de vitesse, comme dirait le général. C'est cela, c'est cela. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que les méchants vont être vraiment méchants ou est-ce que le mal... Les premières actions vont commencer sur des protections de convoi. Et suivi d'une petite prise d'otage. Je sens qu'il va y avoir une météo ce soir. Dès qu'on va croiser un hélicoptère. Non? Espérant que l'Ocean ne fasse pas braquer. Parce que c'est bien heureux. Cobra 8 pour Viper. Allez, écoute. En ce moment là, vous dirigez vers traitement et récolte de LSD. Actuellement, on se dirige vers Negades, c'est terminé. Elle est terminée, connard. Test longue. On va bouger vers le LSD de Viper Lead. Ah, si. Mon top. Si, t'as entendu ça là. Ouais. Tu savais qu'en configurant ta courte sur la longue, tu peux parler en longue? Ouais, bien sûr, comme ça. Ouais, je savais pas. Tu parles qu'en courte. Et que tu les longues prêtes en... Non, je faisais un test pour le commandant. Je sais pas. C'est normal que je sais pas ça. Avec pourquoi mes trucs, tu peux parler en. Pour tous les Vipers, on pile Negades, on prend direction LSD. En longue et en longue secondaire. Ensuite, Alpha. D'accord. C'est impressionnant. Tu peux faire tout plein de choses. C'est vrai, hein. Il y a des trucs que je découvre encore. Moi là, faut que tu m'entendes un truc, c'est un système qui te permet de braquer tes roues immédiatement. Ah, il appelle le frein à main. Des petits coups, tu vois, ça fait tourner tes roues direct. C'est normal que t'arrives pas à aller sur Discord, t'as pas téléchargé l'application. Ah bah bravo. T'es une femme, excusez-la. Rien à signaler sur la partie basse de la ville. Non, je suis en décale sur le LSD dans ce cas. Oui, t'es obligé. Bon, sinon, comment ils vont les loulous là?
Tout le monde va bien? Lunatic, ça va? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Razer, ça fait un moment qu'on t'a pas vu non plus sur le petit live. À moins que tu y aies, mais tu fais ton timide. On a Rilos, toi t'es souvent là, vous êtes tous souvent là en fait. Vous êtes... C'est bien ça, putain les gars, vous êtes en fait quasiment tous fidèles. Fidèles. C'est cool ça. Les habitués, franchement, c'est, ça fait plaisir. Surtout sur Arma 3, qui est un jeu qui est pas trop streamé en fait. Hein. Ouais, ça commence à être rare, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare, je crois que on est une. Trois chaînes à streamer correctement Arma 3 encore. Quoi? Arma 3 ou sur ALF? Sur Arma 3. À ALF, je suis tout seul. Ah, je suis le. Gambino qui stream bien sur ALF. Gambino aussi? Ouais. Je savais pas. Stream bien sur ALF, Gambino. C'est vrai qu'Arma 3 c'est quand même rare maintenant. Déjà, il y a. Ouais. C'est une petite commu déjà maintenant. Ouais. Mais il y a bientôt Arma 4 d'ici un an. Ouais. Qui va streamer. Donc. Ça va streamer sec aussi sur Arma 4. Je pense que ça va être. Hein. Parce qu'à la base, ça reste une simulation de guerre. Hein. Ouais. Et les modes vont être de plus en plus rares. Hein. Bah, je sais pas. Après, bon, c'est. Est-ce que ça va être adaptable? Je pense pas qu'ils vont bloquer, tu vois. Je pense qu'ils vont laisser comme c'est fait là, tu vois. Ah, Arma 3 c'est un jeu qui il est libre à 100%, tu vois. Ouais. Faire ce que tu veux. Hein. Bah c'est ça qui est bien en fait. Ah oui, c'est ce qui permet à Arma 3 de pour moi rester toujours au-dessus de GTA. Au principe des mods, tout ça. Comparé à GTA, genre ils sont beaucoup bloqués, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que le jeu ne peut pas être... Donc on va sur le traitement et on fera demi-tour en direction des Perrins. On suit d'Alpha. C'est vrai. C'est vrai. Charlie, je vois rien traitement depuis là. Ah, la thermique, on voit rien non plus. Alors, on suit donc demi-tour pour tous, direction des péons. Génial! Direction des péons, chef! Allez, c'est parti! Donc, voilà, enfin voilà quoi. Mais ouais, c'est con que ça se perd un peu quoi. C'est malheureux. Même si les lives là ça commence à avoir. Et on reprend l'ordre de marche, Alpha Bravo Charlie. Ouais. On revient tout doucement. Hein. Tu regardes les gros streamers, genre après bon, les jeux les plus joués, hein, genre tu prends Fortnite, Apex ou ça. Les bons streamers français qui montent à 100 000, hein, facile. Hein. Ouais. Quand tu prends Gotaga, tout ça. Ouais, mais moi j'appelle ça. Salut Jack! Comment tu vas, Jack? Bienvenue sur le streaming de la famille la TV, bienvenue à toi. Ouais, mais après c'est du stream commercial en fait, ça j'aime pas. Et ils ont plus des partenaires, ils ont des... Ouais, je suis pas très fan. Du coup ils ont du coup des obligations. C'est ça. En vrai ça va, je trouve que quand même ce côté ils restent quand même assez libres sur ce qu'ils peuvent faire tout ça. Ouais, ils font ce qu'ils veulent hein, mais en fait, le mec qui va regarder le live, lui, bah, il va être bloqué en fait à regarder comme la télé en fait. Il regarde une télé en fait. Il n'y a plus d'interaction possible en fait. Bah, c'est le problème, c'est parce que du coup, vu qu'il y a trop de gens, bah, c'est compliqué à pouvoir discuter avec chaque personne. C'est vrai. Mais. Qu'est-ce que tu fais, Kevin ? On appelle ça le stream lent, le chat lent. Hein. Je vous ai donné un maximum de possibilités pour me doubler, mais non, vous voulez pas. Hein. J'étais dans mes puissances de pensée, excuse-moi. Ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai que bah, plus t'as une grosse commu, plus c'est compliqué à rester proche d'elle. Quoi. C'est ça. Alors, je viens de revoir que le lien stream élément Discord n'est pas le bon. Hein. C'est le stream Moonboot qui est bon. Ouais. Moonboot. À côté de Megadeth. Allez, écoute. Reçu, on arrive. Quoi? Info. Mais j'ai rien compris, c'est comme. Mais je crois qu'il parlait long quoi, avec un mec qui lui parlait court, je crois. Hein. Mais y'a rien à côté de Negadeth. Bah rien. Non. Ok. Ou alors quelque chose se dirige à Negadeth. Bon, Reaper, on s'arrête. Alpha, tu vas parler avec le mec de la diamante. On se met en position. Salut Red, comment tu vas? Bienvenue dans la famille Red, comment tu vas? Merci d'être présent. Ta-da-ta-da, ta-da.
droite. Voiture noire, c'est trop bas. Quoi, Negades là, on va? Pas, j'en sais rien. Bizarre, c'est chelou, c'est comme. Mais là, on s'est arrêté parce qu'il y a quelqu'un de la DC qui aurait besoin d'aide en bas. Et Alpha s'est arrêté et nous on se met en protection afin de protéger. Le mec de la DC ou Alpha? Deux. Sinon on bute. On le bute? Sinon on bute le mec de la DC, comme ça on se barre, on n'a plus besoin de protéger. Bon, on peut pas, Dor. Ah non, je suis con. On est policiers. Ah oui. On a du masque pour Albertien. Merde, c'est Tintin quand même. Ah, c'est Tintin. Donc il y a des gars, on le tue. Ok, info sur un. On va à la ADC, on vole toute la DC. Ah, il est juste cassé. Après on se bat. Ouais, ouais. Ouais, on peut faire ça. J'avais genre. En les vertus qui me sont conférées, je vous ordonne de me donner les clés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. PAN! Tu lui réponds. Exactement. La prochaine fois, c'est sécurité civile à contacter. C'est reçu. Il va mal le réparer, il pourra rien. Ne tirez pas sur mes clients, il dit. Oh, la belle terrasse. PDG, il a pas mis sa tête là, son bureau là. Il est où le PDG là que je défonce? PDG, attendez. Attends. Je vous donne l'information. Commandant, réglé à 541 mètres. 541 mètres réglé. Hein? Prêt. Le V1, c'est bon, on peut repartir. Annulé, annulé, on annule, elle va Michel. On m'a volé une Mercedes rouge et des mons. Et des mons. Alors je sais que dans la communauté, il n'y a pas beaucoup de... Il y a des gens qui ne viennent pas sur Twitch parce qu'ils aiment pas. Ils préfèrent YouTube. Donc je leur fais un petit dédicace quand même parce que j'ai tendance à les oublier, cette communauté-là. Même beaucoup, j'ai même jamais pensé à eux d'ailleurs. Donc merci à vous de me suivre sur YouTube. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Je sais que vous êtes quelques-uns à ne pas vouloir venir sur Twitch et à regarder que les lives sur YouTube une fois que je les ai en rediffusion. Donc je vous fais une petite dédicace à vous. Merci à vous, les abonnés YouTube, de me suivre. Et de vos commentaires en message privé essentiellement. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me fait au choqueur. Ça me fait plaisir que vous me dites que je vous fais plaisir, voilà. Merci à vous. Petite dédicace dans cette vidéo à mes youtubeurs. On prendra à droite dans Adios Unidos, direction Zaros. Reçu de Charlie. Un signal. Bravo, je sais pas ce qu'il fait encore. Je sais pas ce qu'il fait. Bah quand même. Oh putain. Ça y est, putain, je baille de plus en plus tôt moi en fait. Même pas combattu une heure quoi. T'as pas l'impression d'avoir vite fait le tour d'ALF? Franchement, non. Non, parce que je me marre bien en fait. Bon, après, si tu fais vite le tour, voilà, tu fais policier, tu te patrouilles, tu tues les méchants, tu fais des PO, tu négocies. Tu peux faire de la drogue, tu peux faire ci, si, tu fais vite le tour. Mais après, j'ai déjà tout fait. J'ai tout fait sur LF. J'ai fait entreprise, j'ai fait chef d'entreprise, j'ai fait policier, j'ai fait rebelle, j'ai fait bandit. Ben non, en fait, parce que je m'éclate, je raconte beaucoup de conneries, je fais chier tout le monde. Et moi, ça me va, en fait. Douglas, on attend au case. En gros, voilà. Enfin, après, c'est chacun qui doit trouver son petit train-train habituel, quoi. Son petit train-train habituel. Comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé le mien, donc. Dès que vous arrêtez à un endroit, je me fais pas trop chier. Je viendrai avec vous. Normalement, c'est pas prévu que je reste dans les airs. Pour l'instant, continuez. Dès que vous arrivez vers la BA, j'irai me poser, viendrai me chercher. Ah, je. Ça évite que je foute ça en fourrière n'importe où dans la pampa. C'est dégueulasse. Là, on partait vers Zaros, donc bien d'accord pour manger à Zaros. Moi j'aime bien. Je vais vous devancer, je vais vous éclairer. Après
Donc cannabis clair et tabac clair. Ouais aussi ouais après. Voilà c'est ce que j'allais dire. Après je me suis trouvé un RP marrant où je fais chier les gens. Je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Tu vois. C'est une philosophie RP. D'avoir un RP en fait qui est original et qui fait en sorte que du coup tu te fasses pas chier. Genre, si exactement. De base, mode, là ouais, je suis normal. Bah tu te fais chier. Tu vas te faire chier, du coup tu feras rien de spécial, tu vas juste faire ton personnage à la... enfin normalement en fait. Et c'est bidon. Alors que quand tu donnes un peu un trait de caractère spécial à ton personnage, genre je sais pas, il est fou, il casse les couilles à tout le monde, là tu vas t'amuser. C'est ça. C'est ça le RP en fait. Et c'est toi qui c'est toi qui l'imagine. Donc quand tu... quand tu dis que t'as fait le tour, bah non, c'est parce que toi tu as décidé que tu as fait le tour. Genre, tu peux toujours décider de faire autre chose. Et aujourd'hui, clair. Eh bien écoutez, Springfellow vous remercie de cette petite interview, de nous avoir accordé cette interview, monsieur Odor. Merci beaucoup dans Springfellow TV. Je vous inviterai une prochaine fois sur le sujet est-ce que ALF va évoluer dans le temps. Merci monsieur Odor, bonne soirée à vous, au revoir. A plus. C'était Springfellow TV, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça. Bah je sais pas pourquoi j'ai mis TV à la fin en fait. Pourquoi pas après tout? Bah c'est ce que je me suis dit. En fait c'est une chaîne que j'avais depuis très longtemps et... quand je regardais les lives et du coup j'ai gardé ça en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai mis TV. Ah pourquoi pas. Bah pourquoi pas. La ville de Katalaki. C'est la première ville dans la... Ah y'a la boîte à... Ah ouais. Mais y'a la boîte à cul là je crois à côté. Boîte à cul. Pouliaco clair. Oh Follet, c'est vraiment qu'on l'a pas vu. Il est en poche quoi. Ouah. Et voyez, on est maintenant, on est encore plus, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à être présents tous les soirs sous les lives. Et aucun stream stalk de constater depuis une période où il y en a eu beaucoup. Mais là, il n'y en a plus. Et franchement, ça prouve que on est une belle une grande famille. C'est vrai, il faut le dire. Je suis à deux doigts là. Je suis vraiment à deux doigts. T'es à deux doigts de tomber amoureux là. Ah ouais, franchement là, c'est, ouais, je sais. C'est compliqué de garder mes pulsions en moi. Hein. Ah ouais. Bah, le problème, moi, Wizard, de remettre l'armée, ça veut dire qu'il y aura deux factions de police. Donc ça veut dire que... trop nombreuses. Trop nombreux pour les rebelles actuels, en fait. Et pour l'équilibre du serveur, ce serait pas bon, en fait, de remettre l'armée. En ce moment, c'est déjà très dur de jouer les rebelles, ça, je suis d'accord, mais... si ouais. Jamais on rajoute le côté armée, bah alors là, c'est fini, quoi. Après, c'est terminé, quoi. Parce que là, déjà, faut déjà être discret en tant que rebelle, faut être vraiment très discret parce que la police est assez puissante. C'est ça, surtout moi. Et bah, si jamais en plus de ça tu rajoutes l'armée, bah là, c'est foutu. Je crois oublier quand même que sur 120 joueurs civils, il n'y a pas 120 rebelles. Hein. Peut-être bah, la moitié qui sont en rebelles et les autres qui sont civils. Hein. Enfin, quand ouais. Rebelle, c'est rebelle, ça, et qui farment, hein. Il y en a beaucoup qui farment. Il y a plein de nouveaux en plus. Avec bravo à. Le ML. Ils ont besoin de thunes. Ils ont besoin de thunes. Moi aussi j'ai besoin de thunes les gars. Donc pour tous Viper on repart direction Neo. Parce que j'ai quand même perdu 20 millions, 25 millions les mecs. Putain. Bah vos salaires. Allez. J'ai rien reçu moi. 25 millions j'ai perdu pour les salaires, bordel de merde. Ouais, après moi le salaire, je pense que vous pourrez le faire sauter de bien, je pense. Bah si, il y a pas mal de groupes qui tenaient, il y avait la Vorvezacone qui tenait. Mais je pense que, bah pareil, je pense qu'ils ont plus pris de plaisir à la fin, parce qu'ils avaient fait le tour aussi, quoi. Je pense que c'est ça aussi, quoi. Et ouais. La Sparte qui tient plus non plus, là, il y a la coalition, mais on n'en entend plus parler. Non, là, il y a la Rampage. Là, il y a la Rampage, mais Joe, il est en train d'organiser sa team, donc...
Les difficile. Qui gère un peu parce que justement genre le fait qu'on les voit pas. Ouais, les scorpions. Ouais. Scorpions qui gèrent hein, leur truc hein. D'ailleurs, il y a des scorpions sur la place là sur le live ce soir. Si l'agence touriste, la DR. Ouais, on les entend pas trop. Moi, je crois qu'il faut quand même un gros grabuge côté rebelle. L'agence touriste. Ouais, entre le groupe. Yo yo Andar, bienvenue, comment tu vas ce soir? Merci de ta fidélité et de ta présence. Et ouais. Et ouais. Les meilleurs moments côté rebelle, hein. C'est super. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ta gueule. Cette partie là de l'île depuis qu'il n'y a plus la vodka, elle est un peu, dé, un peu désert. Perlis, ouais. Pour information, il y a 7 VL à plus 1 LK. Ah, bah voilà, ça va partir en PO. Donc c'est comme moi, un disque battre pourrait se diriger sur vous. Mais bon, je crois qu'on nous demande sur la langue si j'ai bien compris. Pour Viper Lead, on rejoint sur votre position. On passe canal 1 ou pas? De quoi? Est-ce qu'on passe canal 1? On dirait qu'ils y sont là. Qu'est-ce canal 1? Yes, on aussi. On passe canal 1, commandant! Ah oui, j'y suis déjà, moi. Génial. C'est bon, ça, hein. Ouais, je sais, c'est la compétence. Exactement. Bientôt colonel, ou pas. Général, même, non? Hein? Général, même, non? Oh, général. Non, bon, allez. Il se passe quoi exactement sur ça? Aucune idée. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre quand j'étais en hélico, ils auraient repéré un convoi de mètres et refus d'obtempérer. Du système genre Alpha Bravo Charlie, il aurait fallu garder le principe, genre à quoi servent les unités, mais garder en V1, V2, V3 pour les autres unités. C'est à dire faire de V1, V3, V2, V3 des escouades en fait. Ouais, voilà, genre dire que V1 c'est une escouade, V2 c'est une escouade, V3 c'est une escouade, au lieu de faire Alpha Bravo Charlie, parce que du coup, quand on est sur la radio avec tout le monde, ouais, ça fait que eux, nous, quand on dit bah Alpha de machin, bah ils savent pas c'est qui, tu vois. Ouais. Dérangeant, je pense. Enfin, je pense. Non, je pense pas. Génial. Bah, tu vois. C'est bon ou j'entends rien? Comment ça? Un problème de son, hein. Hey, là c'est 63 MG rouge, je vais aller rechercher, hein. C'est comment pour ça? Pour quel motif? Tout à l'heure il y avait un véhicule volé, c'est 63 rouge. Ah bah voilà, c'est parti. Monsieur, bonjour. Faites une vérification. Ah. Alors, c'est une Mercedes C63 rouge qui a été volée. Ouais. Apparemment, ils auraient déjà changé la plaque de propriétaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous pouvez présenter votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Y'a pas de soucis. Si y'a une assurance sur le véhicule, ok, mais s'il y a pas d'assurance, je vais m'enfermer en plus. Comment ça, enculé? C'est à moi que tu traites d'enculé?
20 pièces d'identité, monsieur. Ah ouais, parce que j'ai cru que ça y est, on s'était croisé à une soirée que j'étais derrière vous. Ah. T'es pas mal, celle-là. Ouais. Bon, bah c'est bien. Elle est à vous, la voiture? Oui, bien sûr. Comment ça se fait qu'elle appelle plaque? Comment ça? Bah, je sais pas. Pourquoi elle appelle plaque de ma truc? Elle sort du luxury. C'est bizarre, hein. J'ai envoyé un message, hein. J'attends qu'il me réponde. Allo, Martine. Allo, Martine. Allo, Martine. Ouais, c'est... ça va ou quoi? Ah non, non, je viens pas boire le café au central, là j'ai pas le temps, tu vois. Là je suis un petit peu occupé avec, avec Miss Rondrou, quoi. Ouais, ouais. Dis, je t'appelle pour un truc, là. Tu peux me passer une matriculation d'une voiture, là? PRI? Non. Comme le prix, mais sans X, tu vois. Voilà, 225. C'est ça. Oh. D'accord. Ouais, ça marche, ouais. Le véhicule a été volé. Ok. Pourquoi vous avez... Ah, d'accord. Et c'est quoi, c'est... Ah, et Momo, il a appelé. D'accord. Ok, ça marche, merci. Bon, mais messieurs, apparemment, vous avez replaqué un véhicule chez Momo. C'est pas vrai. On me ment pas, s'il vous plaît, parce que si on commence à me mentir, moi, je commence à sauter partout. Et si je commence à sauter partout, bah, je suis énervé. Et si je suis énervé, il faut que je prenne un café. Je veux la vérité, maintenant. Je vous dis. Je lève ma main droite. C'est la gauche. Donc tu mens. 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 Tu l'as acheté combien? Laissez-moi dire le prix. Ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Ah, bien reçu, on prend des pas. Je sais pas, ça doit tourner, ça tourne autour des alentours de combien ça? Ils l'ont, sa voiture, il l'a retrouvé le monsieur. Ah ouais. Je pense que c'est vraiment la l'air. Bon, bah c'est bien. Non, mais c'est bien, Jean-Claude. T'inquiète, y a pas de problème. Bon, venez un de ces soirs passer à la boîte à cul, on vous payera un verre. Ça marche? Bon, allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, venez en fluo. Il l'a retrouvé? Ah, il a envoyé un message. D'accord. Quoi, je t'ai dit que tu disais qu'il a été volé, j'ai fait. Ça se peut qu'il l'a volé avant. C'est une possibilité. Il faut savoir prêcher le faux pour savoir le vrai. Exactement. Moi, j'aurais pas embarqué, hein, je te rassure. Non, ou pas. Il se passe quoi à Molos là? Bordel à ce qu'il... Bordel comme d'hab. C'est Molos quoi. T'es Molos quoi. Avec Molos y'a toujours un os. Ça reste toujours dans l'os avec Molos. Ça. La ville la plus éloignée de tout quoi. C'est ça. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça fait longtemps non? Ah, bah code barre. Oh bah c'est beau ça. Pour tous ceux qui sont à l'accélérant, on attend pas, on attend le frayeur. Go, gaz. Direction Diablo, ça prend pour position dans Molos ou pas? Réitérer. Gaz. Molos, c'est code barre, ouais. Strider, vous nous rejoignez à votre vitesse, d'accord? Nous on fonce sur le... Ok. J'ai placé le PMA au niveau de la centrale. Bien reçu. Ah, au niveau de Sophia. Allez, cavalerie, on se dépêche. Direction Molos. Salut Alex, comment tu vas? Bienvenue, merci de ta présence encore une fois. Re-Raptor. Bon alors, pour ceux qui viennent de revenir, code noir sur Molos avec la Rampage. Charlie, allez-y, doublez-nous, on vous laisse. Attention.
Sur je prends à gauche, pensez sur ça. C'est des petits chemins qu'il faut connaître, ça. J'évite tous les virages avec ce chien là. Je pense même limite devant le phare. Hop, cette puissance de feu. Quelle puissance, quelle puissance. Ah bah oui, encore eux. Au moins il y a de l'activité un petit peu. Ça va prendre la fin. Shaman pour l'unité Viper. À l'écoute. Pour l'unité Cobra, on va se prendre le nord de Molo. On va contourner pendant que vous arrivez, vous prendrez le sud. C'est reçu. Reçu. Demande le nombre de packs éventuels. Vous avez une idée du nombre de packs ou pas? Et la tenue. Il y a 7 véhicules, on part sur 2, il y a environ 14 packs au sol minimum. Okay. Reçu, vous avez les tenues? Sable, Rampage. Reçu. Ah oui, là t'es un connard. Je répare. Je suis en train de bouger, c'est au Lynx et homme 200. De Charlie, j'ai cassé. Faut qu'on trouve un point bien sur le nord là pour prendre la ville. Ouais. 400 mètres de distance, ce sera. Non, non, foncez les gars. On va essayer de se mettre sur la colline là, Voilà, tu vois. C'est par là, là. Il y a... Non, t'inquiète. Je suis juste fatigué. Oh là, j'ai mal dormi cette nuit, moi. On est sur zone, possible d'avoir un site rep sur vos positions. Comment sur Molos, une petite PAX, environ 14 PAX. Il doit être... Sur Steven. On va se battre de nuit. Est-ce que vous avez des points précis ou pas pour l'instant? Les gars, TF en ville, il y a pas mal de VL qui me tourne et de PAX classé, mais pas de visu. Divers, il est où le PAX? Attends, on avait vu sur un. La VL. En faux? T'es lui ou pas? Il est comment? Allez, go, on sauve les autres. Attends, il finit lui. Deux blessés. Les gars, il meurt sur le pied, toujours en la voiture. Il est mort, ouais. Allez, gaz. On a pas le temps là de prendre des. Strider médical, on a besoin de vous sur Syrah. Hop, là. Strider médical, blessé sur ma position. Hein? Combien de vie depuis cette pause? Je sais pas. Il est encore loin, tu veux que je me pose pour extraire? Trop tard. Ah, si j'ai possibilité. Je blessé. Salut, Baron, bienvenue à toi. Tu vas pas rentrer dans la ville, je crois. Ouais. Les collègues. Les cobras, une fois que vous avez fait une maison qui est clean, vous la barrez sur carte. C'est où des collègues? Bah là-bas à droite, tout droit. Attends, portail ouvert en face. Putain, je vois rien, con. On est des shoots à. Je pas trop avancé. Info, shoot TE. Quoi? Ok, rien. On prend des shoots sur le L4 là. Alors, on prend des help, sur ma position. Des protège-moi. Et on arrive. Moi, je shoot. Je sais pas où ils sont. Je répare. Putain. Il est où? Je sais pas. C'est quoi les shoots? Vous prenez des tirs, Dédé, sur toi, Dédé? Affi, je prends des tirs sur moi là. Ok, bien, direction. Aucune idée.
Je pense que ça vient de la ville parce que là on est derrière le véhicule et ça nous tire pas dessus donc. On est sur un dégât, on a pas la tire loin de toi. 50%, 60. On a Steve Versk après. 70. 80. 90. Il y a 500. Il y a 500 noirs. Embarqué dans un hélico. Et les deux sur Molos ou quoi? Ah, FIF, il y a 500 noirs. Ok, on monte, on se casse. Tiens, mon DS. Tu conduis, je conduis. Conduis. Strader, il y a une voiture qui tourne pas loin là, du coup. A tous de DD, il y a une Fiat 500 noire également. Sur Sirena, ouais. J'aurais besoin d'une extraction, j'ai mon col qui est tombé comme un. C'est bon, c'est Dayton, vous m'entendez? J'arrive. Besoin d'extraction sur Durand, j'ai Warren à terre. DD, tu peux me poser Warren? Affi Warren. Route principale dans Molos. Sira pour Doc annule l'extraction sur Sira, je vais l'emmener moi-même. Bien pris pour Sira. Besoin d'aide sur la PMA. On rentre dans la ville ou pas? Ouais, bah ouais, on alentour et après on resserre. Attends. Travaillez vos coms, les gars. Scott, t'as prêté à assistance. Reçu, c'est en cours. Y'a des mecs derrière vous, pour Pax. Ah, puis je suis en train de traîner. À droite dans les maisons. Johnson urgent pour tous, derrière vous, vous avez un Pax sur la tour radio. À gauche. Derrière qui? On s'arrête là non? On va aller voir Pax, les gars. Merde. C'est moi, c'est deux Molos. C'est embarqué, pardon. Est-ce qu'on confirme le point rouge Pax d'actualité ou pas dans Molos? Affi. Ici Pépito, fais gaffe, VL. Au coin de la rue. Attends, je mets mon casque. Du rush, tu peux coucher. Pépito, fais gaffe. Il est où, info? Au coin de la rue. Bouge pas. Ok, vas-y, je prends le gauche. Ouais, mais fais gaffe aussi à droite parce que j'ai pris une balle tout à l'heure. Vas-y, ouais, rage, pour pas explorer. Le bel en dessous de ma maison, de Dura. Il a pris la voiture, il est parti. Mike? Ok. Oui. Snipe. Ok. Tu vois la maison ou pas? Dans la tour. Ah ouais. Je t'ai mis un point pack, deux points pack. Dans la tour. Regarde les tirs des traçants des dragons. Antenne radio. Il a monté dans son véhicule. T'as un petit coup à manger à bord, s'il te plaît. Hein? T'as un petit coup à manger à bord. Cruz et Komal. Cruz, il est avec nous dans le stride. Super, merci. Il va à sa voiture, Mike. Follet, Skiton et Dayton. Dayton et Sherman, vous avez pas un VL noir derrière vous? On prend le bâtiment. Mec, mais on le cherche. Ouais. Faites attention, il y a une BM qui tourne dans la ville. Ah, si, c'est lui qui a tiré du sur Dayton. Et j'avance. Bon, faut c'est le verre, quoi. Ah, je l'ai. Putain. Allez, elle s'est stationnée, je vous mets en point. Vas-y. Étage clair. Clair. En haut. Point marqué, c'est juste à côté de notre maison. Pour toi, j'ai besoin d'extraction ma position là. Engo de dame. Fais gaffe, Scott, ça va peut-être monter. Médic. Bézu, donc face de votre bâtiment. Odor, tu viens sur ma pause, on va reprendre la voiture, on va là, dans le sud. Attends, je retire le compact, vite fait. J'ai besoin de renforcer ma position, j'ai un pack sur moi. Ok, y'a un pack à droite de votre bâtiment, les gars. Dans la maison, mec. Ça nous aide pas, c'est à droite par rapport à quoi? Sur nous, soit. Pas que moi. Il est pas dans la maison, il est juste dans le petit cabanon. Attention, je flash Pépito. Coma. Deuxième Pax, les gars, autour de votre maison. Est-ce que le Pax Mercedes blanc est coma ou pas? C'est... Dédé, tu veux que je prenne la voiture? Merci. Deuxième Pax coma dans votre bâtiment, Scott. Affi, coma.
J'ai muté un. Il est où là le mec sur qui vous tirez, c'est rien. L'aider avance pas, ah, il est dans la maison. Il est tu vois le avant la porte. T'as un petit truc. Terrasse, la terrasse. Ok, bien pris. Dernier endroit où je l'ai vu. Information. C'est qu'on a su presse, on arrive. Ça se cote. Sur le pack de la Tesla, c'est où les gars? Mettez des points. Sur Vin, DD et Oda. Putain, mettez-moi dans un point sur carte là, bordel. Mettez des zones si c'est à proxy, vous mettez. Il y a un cercle avec le nom du VL, etc. Je suis en train de soigner un mec qui est vraiment pas bien en fait, c'est pour ça. Donc faites gaffe, vous avez deux packs coma dans votre bâtiment, Ethan. Donc faites gaffe qu'ils se réveillent pas. Ils sont pas surveillés. DD, je t'ai mis un point packs. Du roi, une fois que si c'est clean, tu rejoins Rio et Scott, d'accord, tu fais un trio. T'es reçu. Doc, vous êtes là? Y'en a qui est mort. Par là-bas, par là-bas, par là-bas. Ah, c'est là, c'est là. Ah bon? Avec. Ouais. Le CPA, est-ce que vous me spottez autre chose dans la ville? Je vais passer de l'autre côté, j'arrête. Ouais, gros 2. Attends, je fais un coup de thermique. Si vous me dérangez des véhicules inactifs derrière vous dans les bâtiments. Ouais. Putain, les mecs, c'est putain d'infos de merde. Tu surveilles l'arrière. Il est dans le petit cabanon sur lequel tu tirais là, c'est ça? Next. Il est où le mec précisément, les gars? Il y en a un autre derrière toi, regarde les traces. Bon bah voilà. La petite cabane dans la maison de Castello, tu t'es. RIP! A tous, on me recevait, on a battu, quoi que tu as battu sur des. On a leur radio, les gars. Il a battu, stop, c'est mort. A gauche, dans la petite maison, il était. Non, c'était un collègue en fait. Dans la maison de gauche. En fait, il était derrière, le mec, il a. Sur ma position, il a buté deux de nos gars. Vous l'avez vu comme Mike? Ouais, c'est bon, je l'ai shooté. Est-ce qu'il y en a un autre? Mec, il était seul. Ok, bien pris, on va confirmer. Alice, tu vois la voiture? En gros, voilà. Affirmatif, 3 ou 4. Je peux me poser? Je pense. Le problème. Ouais. Le problème du truc, c'est que. Bah, ils mettent pas de point Pax en fait. Ouais, bah, moi aussi je l'avais vu. Mais j'ai failli tirer d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils mettent pas de zone en fait. C'est pour ça que j'ai été mis dans Viper. Voilà. C'est un des exemples pourquoi j'ai été dans Viper et plus dans Sierra en fait. Mais là, ça arrive. Parce que tu leur. Parce que tu leur quoi? Ah, on se rééquipe, hein. C'est ça, des démons en service. RIP. Ça arrive. T'es qui dans la voiture? C'est Douglas. Faut vraiment que vous appreniez à mettre des points sur les cartes, les gars. Ah, fille, moi j'étais coma donc. Ouais, mais Vinny là, faut vraiment qu'il apprenne à mettre des points de cartes. Ouais. Parce que là, on perd trop d'unités parce que y a pas de rang. Merde. Y a pas d'information. Parce qu'il y a pas d'information sur la carte en fait. C'est un peu chiant quoi. C'est un peu casse-couille. Il est vrai. Donc on sait pas où ils sont, ils disent là, mais là n'est pas une position. Les points Pax. Ça a l'air. Donc voilà. Est-ce qu'on passe dans une formation de base, nous? Bientôt. Ok.
problème, c'est que j'ai pas tout le monde en même temps, c'est chiant. Ah, je suis coma. C'est-à-dire pas tout le monde? Il manque encore des recrues. Je suis coma. Je suis coma. Bonjour de CS que je suis, je te donnerai azimut et distance presque à chaque fois. Parfois le point de carte. Putain, je suis coma. Pourquoi je suis coma? C'est génial. Ok, plein médecin. Là devant toi, l'info précise, ouais, c'est clair. Il est là, il est là, vite. Ouais, voilà, c'est des infos comme ça qui fonctionnent pas en fait. Vous êtes là, mon commandant? Non, je suis coma. Il n'y a plus appui maintenant, c'est là ou c'est un hack? J'ai un bug coma là. C'est super. Mais c'est génial, dis donc. Ouais, c'est problème. Ouais. Donc voilà, là j'ai été en observation toute la semaine jusqu'à demain. Et à partir de demain, bah je tape dedans en fait. Mais lui il se barre lui. Putain, il me laisse tout seul, coma. Mais sérieux lui? Douglas! Mais il est sérieux, il m'a laissé tout seul. Non mais, vous avez vu les gars? Il s'est barré, il m'a laissé tout seul. Oh non, il revient. Douglas, sors-moi de la voiture. La gueule de la blague. Sors-moi de la bagnole, Douglas. Ah, ok, d'accord. Bordel. Je vais m'occuper de vous, mon commandant. Ah bah, quand même. Bordel. Bon bah, bienvenue sur le live Arma 3 Altis Live France, où tous les 3 secondes, je suis coma. Bienvenue à tous, merci. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, mon commandant. Bonjour, je suis la sécurité civile et je sers à rien. Oula. Oula, il me fait peur là. Il arrive, ah, ils arrivent. Enfin voilà les petits loulous, donc voilà pourquoi je suis dans Viper en fait, tout simplement. Ça arrive, c'est comme ça. Juste une mauvaise organisation, une fois que ce sera fait et que ce soit carré,
je pourrais prendre mes activités Sierra et recommencer mes tortures. Ma bug. Mais tu vas pas pouvoir me sauver, Douglas, malheureusement. Ça va faire mal au portefeuille encore, ça. Va-t-il réussir à me sauver? Vous le saurez dans quelques instants. 3, 2, 1. Eh ben non. Ah, mon héros. Ah, je suis désolé, mon commandant. Ah, il marchait le docteur là? Ouais, il y a un petit problème. Je t'ai retiré de l'argent pour voir si. Allez, on se casse. C'est un bug. Il s'est passé quoi en fait là? Vous avez pris la voiture? Oh, si on se dépêche. Non, je suis rentré dans la voiture et je suis tombé en mode temps en fait. Ah, je peux vous comprendre. Donc du coup, je suis tombé dans les pommes. Trop de sensations. En un instant. Vous avez quelque chose aussi, mon commandant? De quoi? Vous avez quelque chose aussi, mon commandant? Quoi? C'est que pour moi aussi, tu me dis, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre? Ouais. Putain, c'est vrai? C'est vrai? Ouais. Écoute, ça me fait plaisir d'être au courant. Ah merde! C'était un jeu de mots à la base. Au moins, tu seras au courant, Douglas. Tu veux que je le découpe ou quoi? Non, sauve-le. Hein? Sauve-le. Ah, non, pas tout. Coupe-lui les couilles. Parce qu'elle est trop grosse pour moi. Elle est trop grosse? Les couilles de taureau, ça. Douglas. Oh la vache. Bouge pas, hein, mon petit, bouge pas. J'étais à 5 kilos. Ah! Putain, mon compte en banque, moins 500, con. Pardon? Quoi? Hein? Quoi? Ouais. C'est là? Oh putain, je vais mettre 15 ans à m'équiper. Ah, ça c'est pareil, je m'occupe de ça parce que... C'est trop long ça aussi. Oh, c'est quoi ça? Oh, une guillette. Hop, 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 hop. Bah, il est juste un cadeau. Acheter. Douglas? Milieu de glace. Douglas? Douglas? Au pire, je vais y aller. Pas grave. Vous allez me chier dessus, j'ai compris. On m'aime pas, c'est bien ça. On fait quoi de l'intérêt? À peine paf, tu passes tout sous le casque. Tu peux le paf. Oui. Tu m'as fait mal. Ah merde! Mais c'est pas volontaire, Douglas, je te promets. Il manque quelque chose.
J'ai appuyé sans faire exprès. Il manque quelque chose. Je vous ai vengé, mon commandant. Tout ce que vous avez à savoir. Putain, hein. Mais t'es où en fait? En haut. En haut du bâtiment qu'on regardait? Ouais, je suis passé par derrière. Je l'ai... Bon, il y a vraiment un problème d'organisation au niveau de Viper. Hein. Clairement, mettre des points sur carte. Je l'ai mis pour sur carte DD. Hein. Non, tu l'as pas mis. Si, il y était? Voilà, à la fin, il est mis. Ouais, quand je suis mort. Non, avant, mais non, c'est même toi qui m'as dit. Non, il est là, le Pampax. Tu l'avais dit, j'avais pas vu. Dedans. Ah. C'est vrai que je l'ai pas mis dessus, parce que j'étais en train de soigner le niveau, et vu qu'il était vraiment très très mal, je voulais pas le lâcher, sachant que je pensais pas avoir du renfort à part le... Ouais, t'as une excuse, oui, non mais c'est bon, t'as une excuse, oui, t'as une excuse, quoi. Tu t'es trouvé une excuse, encore. Qu'est-ce qu'il y a, Vinicky, il va faire un caca nerveux. En vrai, c'est soit ils l'ont pas vu, soit ils s'est réveillé. Les médics sont pareils. Va au bout de ta pensée, Bélic. Ça c'est censé être moi, je me permets de protéger la magistrate. My god. J'ai fait partie de la police ou j'ai pas? Ouais, je pense que j'ai entendu plus loin. Allez, le tirallier. Alors, vous disiez quoi? Au moins, il fait chaud sous la voiture. Ouais, c'est clair, hein, tu m'étonnes, toi. Tu m'as fait mal, trop de courant entre nous. Ouais, bah c'est ça, ça s'appelle le coup de foudre, Douglas. Rip plus Strider. Ah, bah, Strider rip. Allez, on s'équipe et on se recasse. D'ailleurs, ça va? T'as pas de problème? C'est la merde, j'ai même pas mon équipement médical. Au revoir. Quelqu'un... Ouais, c'est Bébé, ça, bébé. Il nous faut une épi. Quoi? Il faut une épi, là, pour ton gars, là. Ah, merde. On l'emmène à l'hôpital et tu vas pas croire que c'est moi qui vais payer pour tes hommes, quand même. Ah. Non, emmenez-le. Emmenez-le à l'hôpital, là. Putain, mais c'est le quoi? En fait, il a eu coup de foudre pour moi. Et il est tombé. C'est qui la belle C63S derrière? Il est mal foutu. Et quel est la voilà. Zone 3S? Je pas moi c'est zone 3S. J'espère qu'il sera un peu mort. Attends, il est par où? Pas sûr qu'il reste en. On peut le regarder mourir. Allez les gars là, putain, là une voiture là. Il a dit ça, Jean-Marie Le Pen. Un peu raciste ça quand même. Ah putain, les gars, faut tout faire ou comment ça se passe là? C'est raciste, la fleur. Vas-y. C'est respect majeur, putain, mais Loki. Allez, c'est parti. Beloki, bah alors tu l'écriras correctement parce que c'est... Salut Erusia, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue dans la famille, je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour revoir les gameplays et les lives que tu as ratés ou que tu as aimés, tout simplement. Voilà, merci et bienvenue dans la famille. Et je bégaye. Bon allez, on se casse les gars là. On se casse. Allez. Putain, ils sont où, Snid et Dumas? Au DD. Quoi? Ça fait que 3 semaines, allô. Ça fait 3 semaines. Allez, on s'en va là. Ah, voilà. Voilà mon binôme. Je t'emmerde. Allez, gros bisous, je t'aime. Il est méchant avec moi le lieutenant. Ouais, on s'en fout. Allez gaz, allez équipez-vous, prenez des voitures, formez vos unités, on se casse. Alors comment est-ce qu'on joue celle-là comme la 103? Elle est épaisse par contre, elle est flagrosse. Ouais. Tu parles de la voiture ou tu parles de moi? Moi j'aurais plutôt parlé de ma... Eh hey, Stivers. Stivers, allez, c'est parti. J'ai un peu à toi, je t'aime. Changer les fréquences, les gars, sont plus bonnes celles-là.
Tu regardes les vannes? Ah bah non. Non. Téléphone, dernière CP, c'est celle-là, je la mets sur carte déjà. Ouais. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Hop, donc c'est celle-là, dernière fréquence. Hop, j'ai mis sur carte, dernière fréquence, si tu veux. Et balance par téléphone. Ouais, ouais, bah là, c'est la dernière qui a été mise par téléphone et je l'ai mise sur la carte. Et mets la longue aussi. C'est quoi ça? La longue, c'est toujours la même. Par canal 2, du coup, hop. Pourquoi tu changes de canal 2 là? Ah, parce que du coup, ils ont peut-être récupéré nos radios. Reçu. Ok, bah je reviens. Moi je vais faire. Je reviens tout de suite, les loulous! Tout de suite, tout de suite. Allez, c'est reparti, hop, je suis de retour, c'est parti. Génial. Allez hop. Alors, éteins le terrarium et tu mets des... Oh putain. Putain, j'ai vraiment mal au cul sur cette putain de chaise. Ah merde, on a arqué des basses. Y'a moins que tu conduises vite fait. Faut que je fasse un peu de trucs rapidement. Hein? Y'a moins que tu conduises? Ouais. J'arrive dans 10 secondes. Allez Viper, c'est parti. Allez Viper, on se casse. Y'a un problème, tu glisses en vrai. Ok. Alors. Hop. Je vais tourner peu dans la cassette. Je vais partir sans moi. Hop. Alors, c'est ça. Oh putain, c'est vraiment une voiture de merde, hein. Je vais pour Viper. Transmettez. Il vient de partir sans moi. De quoi? Vous venez de partir sans moi. Ah. Bah c'est normal. Je récupère un Strider et je vous rejoins. Un fil. Où les verts? Transmet. Je suis encore à la BA aussi, je m'équipe encore. Ah, je t'attends. Ah, ça sent le mort. De quoi? L'idée de t'acheter un lézard aussi là. En train de nourrir un lézard là, faut lui mettre des vers dans son putain de terrarium. C'est quoi ça? Il faut chaud. Transmet. Viens chercher ta recrue, je prends la mienne. Info là les gars, shoot là que j'ai entendu. Ok, on était rue de Cavala, on a entendu des tirs pas loin de nous. Non, dans votre direction, on est assez loin. Et elle est où ma recrue? À côté de la BK. Viens sur position ah, guignol. Qui c'est qui tire là? Bonjour.
Qui c'est qui tire? Pardon? Ouais. Qui c'est qui a tiré? Quoi? Je sais pas du tout qui a tiré. Moi je m'en couse, y'a quelqu'un qui écrase tout le monde. Ah, arrête de crier. Qui court Rodriguez là? Ouais. Du dur en marque, on va se positionner. Il se passe quoi là? Romu, tu montes? Ouais, gros, attends, je viens de me faire rouler de silo. Ouais, mais c'est pas grave, fais gaffe, y'a le 3-0 là. Cette balle là. Redfield? C'est qui du coup tu m'as dit le nom? Kelvin? C'est Jeff qui t'a dit. Alors c'est qui? Jeff! C'est toi aussi tu Nico, machin. Jeff, ça va pas aller. Jeff, eh, c'est quoi le nom de la barrière là? Périmètre de sécurité là? Eh, c'est quoi là? C'est la quelle la fréquence des. C'est Kiko quelque chose? 6. Kiko Rodriguez, je sais pas quoi là, il a quitté. Il a quitté. Rodriguez. Tu sais qui. Ah ouais, y'a Kevin, il faut l'aider là, il faut l'aider, il s'est fait rouler dessus. Ah bah c'est bon, si jamais c'est pour ça. Appelez à la sécurité civile. Ouais, j'imagine. Je mets des barrières là. Tu veux pas le chemin? Et comment? Ils sont où là, c'est sûr? Bah, il est fatigué là. Il a mis un. C'est quoi le message qui vient de tomber là? Il ouvre ses portes. Ah, le SMS là. Vas-y. Le SMS. Il est pas mort celui-là. J'ai mis une morphine, Dédé. Ok, c'est bon. Ah, qui a fait ça? Ça, c'est des trucs à pas faire quoi. Vous inquiétez pas, j'en ai pas. Ah, mais du coup, j'étais blessé. C'est pas grave. C'est quoi en fait? Fais gaffe, c'est une deux places celle-là. Ah, il est parti faire un fut-fut médecin rapide. Ouais. Rapide. Allez, je vais réparer la voiture moi. Il est blessé lui aussi? Ah, lui c'est bon, c'est réglé. Ouais, pas mal. J'ai mis quoi? Morphine. Merde, j'ai pas de téléphone putain. Là. Y a quelqu'un tu veux un téléphone? Ouais, t'en as un deuxième? Attends, je t'en trouve un moi. Bah, ici derrière la voiture. Vas-y, si t'entends carte. Si t'entends ton cœur, bah si en 30 secondes, ouais. Ton commandant t'appelle. Ah, ça marche, merci. Ouais. Il est où? Je vais déjà traiter votre douleur. Attends, je vais juste le trailer est fermé. Je suis à ma voiture. Ouais. Bloom. Oui, mon commandant. Ça va? Ça. On vient de ça, toi. Y'a eu d'autres blessés ou pas avec Sister? J'ai une petite transfusion. Ah, c'est dangereux ici. Hein. Il est pas comme mal, monsieur. Ouais, ouais. Ah, mais faut mettre les barrières, là. Il faut mettre les paramètres de sécurité. On reste pas. Ah si. Honor, t'en as un ici aussi. La voiture est bon ou pas ma voiture? Ah nickel. Comment? La sur Redfield, ouais. Tu l'as mis la saline? Ah mais c'est la civile civile. Ouais, putain. Mike après. Ah y'a pas la civile civile là par exemple. Ah dites-moi pourquoi que. Ah. C'est pour bah c'était pour réparer ma voiture. Vous savez? Elle est où? Ah pour quelqu'un qui est blessé, tu parles bien toi? Ah je fais quand même des soucis. Ouais, pas de bon, en fait, c'est un Jean-Bob du 80. Du... Ah y'a un type qui 6-3 qui a fait sur tout le monde et une conseille de bas. D'accord. Vous êtes pas de qui ça oui. Mais c'est une blague. Tu peux me donner les. Ah arrêtez pas, c'est mon dieu. Parce que il m'a écrasé. Hop. Ah. On a une moteur de merde aussi ça. On est blessé ou oh, parfait. Non, c'est bon, ça a l'air, bon, ça a l'air d'être ok. Merci. C'est à qui ce véhicule là? Monsieur, je suis trop direct. Ouais, c'est à moi la voiture, je pense. Elle est assurée, elle est. C'est long, les gars, c'est long. C'est bon, c'est clair. Maman, on peut y aller. Hop là, on retire ça. Hop là, hop là. Allez, Viper, on est reparti. Bah, j'ai juste eu le temps de monter. Ouais, c'est loin. On se regroupe au niveau de la DC. Je me dirige vers la DC, point de ralliement. Un Snid. Non, non, je parlais à Snid. Salut Snid, ça va? Ah bah Snid, putain. Ouais, ça, des fois. Ah bah Snid. Ah, Snid, il est pas dispo, il s'occupe du petit incident qui vient d'avoir. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, laisse tomber, il te rejoindra quand tu seras là. Après. Oh, j'ai oublié de donner la lumière. C'est pas Versailles ici! Bah non, c'est pas Versailles! Hop, faut que je ferme la porte à clé aussi pour éviter des cambrioleurs! Oh mon dieu, tu as peur!
Pourquoi on est à voiture 18 alors que le numéro de téléphone c'est le 17? Oh non, plus si jamais il y a des cambrioleurs qui viennent, bah je chercherai avec eux ce qu'il y a à voler quoi. Qu'est-ce qu'il me faut mes clés? Mes clés sont où? Ma poche. Et dans la poche du manteau qui était là-bas, putain! Sur Ali, pour ses. Il y a la possibilité que vous veniez sur nous au niveau du virage dangereux, on a perdu un de nos véhicules, on s'est fait voler au niveau de la sortie de cavale. Salut Baxter, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite également à t'abonner sur YouTube pour revoir les vidéos au petit déjeuner que tu as aimé et sur Discord pour nous rejoindre pour les jeux communautaires. Merci à toi et bienvenue dans la famille. Bah en sortant de Cavala, qu'on était pas loin du champ de pêche, entre le champ de pêche et la fin d'aller où aujourd'hui. Et elle est où du coup? Au niveau de la DC, on nous a dit Douglas. C'est Vinny qui conduit. Peu importe. On arrive. Salut James Bond, ça va ou quoi? Bonjour monsieur, ça va et vous? Ça va, dis, t'auras pas un petit téléphone pour que je puisse appeler ma copine? Bah écoutez, je peux vous fournir ça, oui. Ah c'est gentil, parce que tu vois, elle s'inquiète pour moi, parce que ça fait 3 jours que je l'ai abandonné et... Ah oui d'accord. Et moi il faut que j'aille. Ah c'est gentil mon lapin. Pas de soucis. Attends, je vais voir s'il marche quand même ton téléphone, parce que... Allô poulette? Ouais ça va? Ouais je suis avec Jean-Paul là. Ouais. Tu lui passes le bonjour. Pourquoi tu le connais Jean-Paul? Ah d'accord. Ah, ouais. Pour ça tu couches avec ma nana toi. Non pas du tout. Allez Jean-Paul. Jean-Paul hein. Écoute Jean-Michel, je vais te dire un truc. Si tu touches à mes gonzesses, ça va chier. Ah vos gonzesses, vous en avez plusieurs en plus. Comment ça? T'es en train de dire que je suis polygame? Ah j'ai rien dit hein, vous avez dit vos gonzesses. Tu vois, petite barbe, si tu veux pas que j'en fasse une perruque à mon collègue qui est chauve, touche à mes gonzesses et je te retrouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, pas de soucis. Ouais, non, mais t'inquiète, je partage. Hé, hey, tu viens souvent à la boîte à cul ou pas? À la quoi? À la boîte à cul. La boîte où on fait des relations et des liens. Non, merci. Ce n'est pas trop mon genre. Bon. Tu as vu des méchants se balader? Parce qu'on recherche un méchant habillé en bleu avec un sac à dos noir, un gilet pare-balles, une arme dans le dos, une casquette et une barbe à l'envers. Non, moi tout ce que je sais c'est que j'ai vu un taru. Ah c'est tout? Affirmatif, pour l'instant rien de suspect. Ouais non mais comme vous financez... Comme vous financez... Deux hélicos avec des packs dedans, mais sinon... Ah, ouais. Ouais non mais comme je sais que vous embauchez des rebelles ici pour farmer un petit peu, donc... Je me suis dit que t'as peut-être dû voir quelqu'un. Pas du tout, nous c'est que les civils, comprends. Ouais ouais, et moi je suis la marmotte qui remplit le papier sur le chocolat. Ouais, c'est ça. Bon allez, tiens, tu sais quoi, je t'aime bien, je vais te faire un petit cadeau. Tiens, tu mettras ça sur ta tête, tu ressembleras à quelque chose. Hop là, regarde. Non, mais mets le chapeau sur ta tête. Un cadeau, mets le chapeau sur ta tête. On va essayer ça. Ah, mon dieu. Ah, magnifique. Mais tu rigoles. Eh les gars, venez voir. Dites-lui que son chapeau lui va à merveille. Ah les gars, il y a un client devant. Eh les gars. Bon, bah tout le monde s'en fout en fait. Mais dites-lui que son chapeau lui va à merveille que je lui ai offert. Là, je suis allé à la boutique, là-bas, à Kavala. J'ai acheté une petite chepka. Et j'ai dit, tiens, je vais l'offrir au mec de l'ADC. Et du coup, il lui va pas bien, franchement. Et franchement... Non, franchement, ça te va à merveille, tu vas le garder. Et à chaque fois que je vais venir ici, je veux te voir avec ce chapeau sur la tête. Je repasserai tout à l'heure, et si tu n'as pas le chapeau sur la tête, je t'embarque pour haute trahison. Ok? Allez, à tout à l'heure. Quoi non? Oh putain. Allez direction les Gades pour Reaper. T'as pas entendu quoi? Ah
normal j'y suis pas. Est-ce que direction Negades pour Viper? On s'ouvre une petite bière. Allez, une petite binous. Ah, la tienne, Maurice. Tu veux de la bière? Pas une bière, ça? Quoi? Pas une bière, ça? Un paquet de chips. Mais attends, un apéro, c'est quoi? De la bière, des chips, des chips? Ah, d'accord. Non? Non. C'est des petits toasts grillés avec du pâté. Trop loin à faire, pas le temps. Oh. J'ai pas le temps. T'es compliqué, toi, comme mec. De quoi, en vrai, c'est même pas de la bière que je bois, c'est. De la bière aromatisée. Genre, c'est. Donc, c'est, je bois de la bière aromatisée à la vodka. C'est de la Skol. La Skol? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, mais y'a personne. Allez, on se casse. Direction route principale. Hein? Allez, direction DP11, route principale, Attira, etc. Tout ça avec ta merde. Non. Normalement, commandant, on attend le Strider, en plus, on est en alpha. Ah d'accord. Ah gna gna gna, moi je suis en alpha et t'as été en charlie, moi tu me laisses passer devant hein. Eh oui, c'est pas moi qui conduis. Ah, faut qu'on soit devant, très bien. Faut qu'on soit sur la route. De quoi? Ah. Ouais, ça c'est pas utile. Quoi? Bah, on nous attaque dans. Ah merde. Et comment ça, c'est pas utile? Bah, c'est faux. Qu'est-ce qui est pas utile? Bah, de nous rentrer dedans. Mais c'est toi qui me rentre dedans. Bah vous étiez derrière nous. Non, t'étais devant moi et tu m'as take down. Oh là là. Quoi? Ouais. Ça a aucun sens. Bah si, ça a un sens. Ça a un sens que c'est toi qui me rentre dedans. Oh bah soigne toi. Oh, oh là là, ah bah t'es viré. Ah là 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 là. Ça fait me tirer dessus. Bah je sais, désolé. T'as tout à baisser mais... à peur maintenant. Bon. Ah bah oui, bah dis-moi désolé à moi. Pourquoi t'as pas vraiment tiré dessus? Qu'est-ce qui se passe? Strider! Et là, c'est de ma faute, hein? Il a pas une trousse dedans, les gars? Il est pas équipé, le Strider? C'est quoi ce bordel là? Elle est avec moi. Elle est sur moi. Ah non, le Strider équipé, il est au combat. Redfield, arrête de fumer. Parce que je vais prendre ton mégot, je vais l'écraser sur ton postérieur, tu pourras plus t'asseoir dessus. Je peux pas fumer. Ouais. T'es quoi ça? Comment ça, mon kit il est plus là, je viens de le poser. Et tu veux pas supporter en fait? Là je suis commandant et je dois tout faire quoi. On devrait pas rien, mon commandant depuis tard. Tu trouves ça normal toi, Bellucci, que je dois tout faire? Ah non, mon commandant. Bah ouais, franchement, les adjudants chefs d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'il était. Hein. Il me rentre dedans, il me take down, et après il faut que je répare sur la voiture, faut que je le soigne. Vraiment, je fasse tout quoi. Allez. Franchement, c'est moyen quand même, Bradfield. Ouais, c'est mieux. Ouais. Mets-toi à genoux et dis pardon, mon commandant préféré. Pardon, mon commandant préféré. Ok, pour punition, tu me feras un poème pour demain soir 20h à mon effigie. J'aurais pas le temps. Bah, tu te démerdes. Sinon, t'es viré. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire ça, mais. Pas de poème, t'es viré. C'est simple. Bah, y'a des chances que je le sois alors. De gauche, pense en moi. Négatif, je regardais juste l'imitateur de vitesse. Chante, Vinny, chante! Ça te fera du bien, tu prends un peu. Chante, Vinny, chante! Chante! J'ai oublié de mettre des points! Tu veux dire que t'es des gros, Vinny? Bah ouais, alors. Vinny, t'es gros! Et toi, t'es roux? Ouais, carrément! Mais t'es très mal coiffé, je t'enverrai une photo.
attention de physique et tout, franchement ça a aucun énorme Viper quoi. Bah tant qu'on touche pas aux mamans, on a dit qu'on pouvait tout faire. Et le on a pas touché aux mamans. Ah bah fallait le dire plus tôt hein, parce que... Mais non mais si j'emmène mon fils et que je peux pas toucher à sa mère, ça me fait quand même chier quoi. Reste ton problème. C'est où pour jouer les squads? Bonsoir, comment allez-vous? Salut Baxter, moi ça va et toi, comment tu vas? Merci d'avoir follow la chaîne tout à l'heure et bienvenue à toi. Allô? Tu veux un bout de saucisson? Tu veux un bout de saucisson, Baxter? Je sais pas. Ça va nickel. Allez les gars, on accueille Baxter dans la famille! Ouais, bienvenue! Bienvenue hey, Baxter. Les saucissons, c'est moins 30% de matin gras, ça va bien. Ok. Ah! Elle est vraiment une voiture de merde, ça en fait. Hein. Mm-hmm. Je fais le plein et j'arrive. Là, j'ai plus d'essence. Un conseil, ne prenez jamais la Nissan, elle tourne pas. Je vous protège. Parce qu'il n'y avait plus d'essence. C'est ce que je dis en fait. Ne prenez pas la Nissan, il y a toujours le plein à faire. Et on en parle de mon trailer. J'ai pas. Allez, c'est parti. Je veux manger. On est reparti. Tu rentres des femmes et de la bière, nom de un accordéon. Pour l'aimer comme on peut. Tu rendais pas. C'est ça qui rend heureux. C'est bien nous en fort. On a mais, rien trouvé. Mais mieux. A tout à l'heure, voyons. On a rien trouvé. Rien trouvé, non. Rien de Alpha, quelle direction? J'ai dit route principale, direction Attira. Ouais, j'ai pas marre, c'est bien fait. Ils écoutent rien, les enfants. Ils n'écoutent rien. Non, c'est la bonne. La bonne quoi? Ça parle. Les gars, changez la langue. Tu veux un petit coup de piano? Oh! Oh, attends. Oh, d'or, le maestro, quoi. C'est marrant. C'est rigolo, on rigole bien avec toi. Il y a déjà eu la pluie vers 20h, je trouve qu'il devrait arrêter de chanter car il va repleuvoir. Ouais, c'est clair. Allez, ça y est. C'est quoi, papa, je vais faire un petit coup de flûte. Vous allez bien? Ça a l'air de voler pour vous. Alors? Mais what? Je suis pas un flûtiste de l'extrême. Ah, ça fait mal. J'arrive. Oh le cœur. Tu aimes voler? Salut mon petit Erusia, comment ça va? Putain mais les gars. Et les gars, si vous voulez vous envoyer en l'air, évitez de faire ça en patrouille, merde. Non et puis en plus y'avait même pas d'idée quoi, pourquoi on s'envoyait en l'air? Ouais. Avec Calvin on va faire un duo alors. Je pense que ça mérite un problème ça. Ouais, c'est vrai. Encore, mais... Tout est. C'est clippé, les gars, c'est clippé! Oh putain. Tout à l'heure, il s'est fait éclater. Mais les gars, tout à l'heure, en allant à la banque. Oh la gueule. L'autre, t'es un orchestre à toi tout seul, bon. Ah, oh la gueule. Ouais, il manque plus que ce niveau. Eh, non, mais en plus, tout à l'heure, on déconne quoi. Tout à l'heure, tu vois, en allant à la banque, j'avais Sni dans mon Strider, je me suis tapé 20 minutes de trajet avec un harmonica. La base. Mais vraiment. Ah, mon petit Will Stride, d'accord, bienvenue.
Ça y est. Bienvenue, ça va ou quoi? Bienvenue poto. Bienvenue poto dans la famille. Bienvenue. On accueille Rosiane comme il se doit la famille là. Qu'est-ce que vous attendez? On est là. On dit bienvenue dans la famille de Dédé. Pouf pouf YouTube. Avec Viper on sème la terreur. Les gars, utilisez pas tout au bandage pour ma pomme. Hein. Je crois que c'est ah bah, pas chaud, hein. Un peu, là. Ouais, c'est bon, vous êtes tous soignés. Allez, hop, c'est parti. Dogo, t'es bien ou pas? La fille, la courte est à jour. Ouais, ça va. Et là, hop, ensuite, okay. Mon Red Bull. C'est bon, on est bon. Allez, CP1. T'es pas beau. Hop, elle a rechauffé. Merci, Médic, tu requinques. Pas de soucis. Tu veux retourner fumer ou tu veux encore me chier un peu comme ça? Bravo, mais c'est pas bon de fumer. Fume avant que la vie te fume. Fume avant que je te fume. Là, y'a du monde à gauche. Oh, c'est quoi ce bordel à gauche? Ok, c'est propre. C'est propre. Quoi à gauche? Y'a quoi à gauche? Y'a la LC, y'a le monde. Regardez la LC. Oh merde. Bah, c'est vraiment une voiture de merde. Hein. J'arrive pas là, c'est que civil. J'ai trouvé pire que la Mercedes, quoi. J'essaie d'en casser au départ et ouais. Ouais, conduit. Ouais. Parce que c'est vraiment une merde cette voiture. Mais j'en prendrai plus. Eden. Tu l'as vu? Je prends tout ce qui est un cadeau. Parce que c'est sentimental. Mais t'as vu le monde qu'il y a derrière toi là? Non! Là, les gens, elle sait. Allez, viens, on y va. A tout Viper, on va voir ce qui se passe à la LC, là, il y a un peu de monde, là. Et après, il y a un peu de monde. Oui, on va s'amuser. Ah, faut abuser du frein à main, peut-être. Mais c'est une foot. Salut Claude. Bonjour. C'est pour l'entreprise, je suis vraiment pas là. Ouais, bonjour là, monsieur. Il oui, il est où Claude Cordias? Ouh Claude. Non, il y a personne. Il est marrant toi, avec toi on rigole bien. Ça va ou quoi? Il se passe quoi là? Ouais. Ça va? Alors, on fait une tous sans DD ou quoi? Hein? On fait une soirée sans DD ou quoi? Comment ouais. Ça se fait ça? Bah alors Noël venir, hein. T'as craqué ou quoi? Tu m'as pas invité dans le carton d'invitation là? Tout le monde est invité. Ah ouais? Ils sont où les gonzesses? Elles sont là-bas, elles sont en train de se faire embêter par des messieurs, vous voulez pas intervenir? Ah bah si, je vais intervenir. Allez, on va y aller. Et vous leur dites, c'est 1,8 million et pas 1,5 million. Hein. 1,8 million pour une prestation, ça fait cher. Ah mais dites-leur juste ça, ils comprendront. Là, oui, bon, monsieur Broly! De finir dans une cave, hein. Pardon? Vous m'avez appelé. Mais Broly? Ouais? Quand t'arrêteras de bouffer du brocoli, tu viendras me boire après? Non, ouais? Bonjour, monsieur Sika! Monsieur Sika, vous êtes fou quoi? Ah non, c'est qui? Cette tapette de général, moi! Ah oui, Bélic, pardon! Moi je suis le plus beau! Regarde la toison qui brille de mille feux! Ah oui, oui! Excusez-moi! Bon, Scarfield! Eh, Scarfield, t'as laissé pousser ta barbe ou quoi? Vous me parlez? Hein? Pas du tout. Respire pour l'aide. Allez, vous, j'ai pas entendu. C'est quel shampoing qu'il utilise? Vous. Bon. Vas-y, sur écoute. Ça va essayer de faire un passage à la BR pour aller voir ce qu'il y a eu avec la sécurité civile. Ouais, ouais. Les gars qui a parlé de bouillave. Est-ce que je peux le dire? Moi, je dirais qu'il devrait acheter une voiture. Qui ça? Je sais que là, le pied de douche que vous avez dans le dos. Ah, mais tu me vites une droite comme ça là. Sur la tête. C'est toi qui veux bouillave? C'est toi qui veux bouillave? Ah, moi, j'ai rien dit. C'est lui qui a dit ça. Non, c'est son copain. Mais lui, il dit que la jupe de ma femme, elle est trop courte. Il est où ton copain? Oh merde, pardon. Attends. C'est pas ça que je veux sortir. Mais c'est même pas mon copain. Ouh, la famasse. Hein? Il va sortir une arme. Mais pas mon pote. Mais c'est comment il se fait, cet engin?
C'est ton pote? Il est où ton pote? Ah, on se connaît juste de nom, mais. Bah, fous de ma gueule, tu fous de ma gueule ou quoi, Broly là? Tu veux que je regarde ton casier judiciaire tout de suite là? Comme ça se passe là? Bien fait là. Voilà, voilà, allez, bah, allez, du vent là, hop, hop, hop. Vous avez tout le catalogue, tout ça. Avec les prix. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bah, en même temps, heureusement, vous, êtes beau... vous êtes beau gosse. Ouais, je sais toujours, vous aussi. Ouais, merci. Ouais, excuse-moi, j'ai plus envie de te parler. Ah, il y a quelques modèles pas très chers encore. Salut, salut Toxico, ça va ou quoi? Ah, Dédé, toi. Ça va. Monsieur, 25%, je pense que c'est parfait. Allez, on se casse. Bon, monsieur. Monsieur, on est d'accord, la GT3, on peut la mettre par 1,5 million. Vous viendrez l'acheter demain à 1,5 million si vous voulez. T'as vu, on a fait amuser tous les deux. Je vais te défoncer. Eh, c'est lui, monsieur Billy. Là, qui casse les couilles à ma femme, là. Je peux l'écraser avant de partir? Non. On le tuera plus tard. Allez, allez. Allez les gars, direction BA. J'ai pas une porte ouverte. Ah, si, bon, sort, hein. Qui est Alpha 2 hein? Albertino. Allez en avant les gars, en avant. Attendez, Yasmin il est en train de dragouiller. Bon, on s'en fout, c'est monte dans ta bagnole, on se casse. Notre boulot c'est pas de draguer, notre boulot c'est de protéger. Bien sûr, ils vont protéger, vous inquiétez. Oh, je te préviens, Kevin. Des avantages que lui confère l'uniforme, faut le comprendre. Mais, Kevin, je te préviens, hein, si tu veux te battre avec Affinity, t'as pas intérêt à t'accrocher. Allez, gaz! Mais, justement, parlons de ça. Allez, Alpha, en avant, devant, d'être là. Le lead, il vous l'a demandé, dépêchez-vous. Allez, maniez-vous le cul, putain, avant que je m'énerve. Y'a votre femme qui m'a demandé si on l'embrasse, c'est une sommation ou pas? Non, c'est de la cohésion. mais putain, c'est la mienne, Loméo! On va où? Je viens de revenir. Je viens de vous dire, on va à Tira. Je viens de dire Béa. Vous voulez un thé, mon commandant? Je viens... On va à Tira. Je dis Béa, il y a deux minutes. Ta gueule. C'est conservé, non, j'ai pas. Conservé, c'est confirmé. Confirmé? Je confirme. C'est confirmé. C'est pour la confirmation. Confirmé, code noir à Sofia? Confirmé, y'a un pax là? Vous connaissez pas les Maxi Drift ici? Alors? Ah bah voilà, 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 voilà. J'aurais fait mieux. N'importe quoi. C'est moi ou y'a des problèmes? Ah non. Si, y'a des problèmes là. Y'a quoi? Je sais pas, j'ai des problèmes d'île. C'est bien parce que moi ça va la clôture devant. Ah, moi j'ai des problèmes. Oh, ça va, ça conduit plutôt bien ça devant. Ouais. Eh, mec, qui craque là? Oula, c'est un risque. Ça risque. Attire à clear. Ah, ah, saloperie. Le Charlie en a cassé, on a vraiment une voiture de merde. Vous confirmez que vous avez cassé? Confirmation, confirmation. Alors on confirme qu'on va changer de bagnole surtout. Commandant, est-ce qu'on peut prendre une voiture que j'aime et que il me faut votre accord pour sortir? Parce que du coup elle a votre accès. Ouais, vas-y. GT3 RS. Ouais. Parce que ça c'est une merde. Ouais, attends, la jette à la poubelle. Ça c'est une grosse merde cette bagnole. Ouais, chie lui dessus commandant. Crachez dessus aussi tant que vous y êtes. Parfait. Hop là, c'est parti. Ouais, pissez-lui dessus, commandant. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison, elle pue la merde, ces voitures. On va changer ici au garage, tiens. Oh, un rebelle. Oh, un deuxième rebelle. Ah, salut, c'est rebelle. C'est des amis. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah bah, je vais se la ranger, du coup, c'est la vôtre. Ouais. Vous êtes de la police, vous voulez? Non, pas du tout, pas du tout. Nous, on n'est pas de la police, c'est... Bonjour. Faut pas, faut pas. Ah, comment
ça va. Justement, désolé, hein, je suis un petit peu énervé. Hein. On a fait deux appels de police, comme quoi que, on se faisait braquer et pas un flic qui vient. Quoi. C'est, bah, c'est putain, c'est honteux, c'est honteux. C'est parce qu'en en fait, on a eu un problème avec la voiture. On a acheté une voiture à la LC qui a été floquée police. On l'a essayé, le moteur il a cassé. Donc on a dû la ramener au garage, mais au garage ils nous ont pas changé la pièce tout de suite. Donc on a dû attendre. On a reçu votre SMS, bonjour tout seul. Et du coup, on est revenu à pied jusqu'ici. Ah ouais, ok, je comprends. Mais enfin, il n'y a pas que vous quand même. J'ai vu trois voitures de police là. Hey, bah... Vu, en marchant en patrouille. Et du coup, toute notre patrouille a dû être mobilisée par rapport à... Exactement. Bonjour. Et salut, Jesse. Ça va au revoir. Ça a été la drogue pour que vous soyez tous en sécurité, mais ça a été la drogue. D'accord. On fait pas de drogue, monsieur. On fait pas de drogue, nous. Qui on ça maximum, on travaille au plat. En tout cas, certains. Regardez quoi on va rouler maintenant. Oh, les belles. Vous voulez oh pas putain. Nous pour des aides. Transmet. Ouais, bah, poursuivre. Est-ce qu'on irait pas vers l'est traitement de cigarette. Si, 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 on va y aller. Ah, c'est bon, la souris. Ok, c'est bien. Ouais. Tu vas te planter. Ils sont pressés, ces jeunes. Je prends pour qui, là oh, je vais me planter. Tu veux pas un vrai pilote pour cette belle voiture? Vous inquiétez pas. Eh oh, 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 les gars, eh, hey, une question. Est-ce que vous courez aussi vite que ça? Attention, rigole pas. Je pense que ouais. Ah ouais? Bah vas-y, on essaye. Vas-y, cours. Vas-y, cours. Vas-y, cours. Bah ouais, excusez-nous, mais... Allez, Jordan. Mais bon, t'es inscrit qui me dit, hein. Bah allez, on y va. Allez, bisous les loulous. On va faire de la drogue. Ouais, bah, moi aussi. Enfin, maintenant, ils me connaissent. Salut, Jargon Club. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Merci beaucoup d'avoir rejoint la famille. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et t'abonner sur YouTube pour revoir les lives et les vidéos que tu as aimées, que tu pourras regarder au petit déjeuner. Merci à toi. Bienvenue à la famille. Tout se trouve dans la description. On dit merci. Bienvenue. T'es tout seul, là? Allez, les gars. On dit bienvenue à Jorgen. Bienvenue! Bienvenue, Jorgen. Je te donne du masque. Excellente journée parce que là, tu vas pas. Les oreilles cadeaux. En compagnie de Spring Vélo DB. Oh, wow, 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 wow. Allez, venez, venez, c'est gratuit. C'est pardonné. C'est gratuit et vous allez vous amuser. Venez, venez. Allez, les gars, on se rassemble et on y va. Salut, Jesse. J'ai suivi, j'ai dit bonjour Jesse tout à l'heure. Allez, on y va alors. Allez, on fonce, les gars. Et en fait, ces gens-là, tu vois, les 4 personnes là, il y en a deux que je connais vraiment. D'accord. Du coup, je vais faire de l'airsoft avec tous les dimanches. Alors, on va. D'accord. Ah, c'est super. C'est marrant, les boys. Donc, on va mettre un petit truc en place sur la chaîne. Et là, je compte sur tous les anciens. On va faire un truc. À chaque fois qu'on a un nouveau follower, je veux que tous les anciens lui souhaitent la bienvenue chez Dédé. Dans le chat. Ce serait cool de faire ça. Ça vous impliquerait un maximum et ça peut être super sympa. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Tout nouveau follower sera systématiquement accueilli par les anciens. Allez, c'est parti, on fait ça. Comme aux alcooliques anonymes. Reçu de Alpha. Ah, on se met un peu loin. Bam, Dimitri Abarovitch, donc si on croise. Position, paf. Viens tirer, chef. Paf, paf, paf. T'as un gros truc quand même dans les mains, quand même. Ah, j'ai mis un AMS sur une FAMAS, c'est ridicule, mais au moins ça permet de tirer loin. C'est vrai. On est demi-distance. Répétez le nom. Dimitri Abarovitch. Ouais, c'est du russe. J'ai vu l'aveugle. Pourquoi j'ai dit que je suis aveugle? Je sais toujours pas comment mettre des coups de poing. Oui, totalement. J'ai regardé ta femme sur ça. Et je trouve que la législation des casseroles est vraiment pas mal. Moi, je me permettrai jamais. Mec, ils sont morts pour moins que ça. Rien de con. Y'en a qui sont morts parce qu'ils l'ont regardé de travers. Ah là, on va faire ça, les gars. Ah ouais? Cobra lead pour Viper, on va se greffer à
Bah c'est reçu. Yop Taiko, comment tu vas? Merci de venir sur la chaîne. Donc je disais que je vais mettre un nouveau règlement du chat en place. Ah, Blob77. Qui c'est, des follow? Allez, c'est le moment ou jamais, les gars. On remercie qui? Welcome, Blob77. Allez, les gars, on participe un peu au chat, merde. Et voilà. Par contre, tu parles pas de sa calvitie. Oh là, elle est de la chance cette Tesla là. Ouais, les gars, vous suivez pas sur le chat, hein, franchement. Allez. Voilà, il y en a 3 qui ont suivi. Il y en a 3 qui ont suivi. 4. Putain, les gars. Ils sont combien là, regardez. Là, ils sont 28. C'est ça. On a 276 followers, les gars. Et on a 28 qui regardent. Et il y en a 0 qui annonce la bienvenue au nouveau. C'est quand même honteux, ça. C'est honteux, c'est honteux. Il n'y a pas que moi qui dois le faire. Moi, je le fais déjà vocalement pour vous. Vous pouvez le faire par écrit, merde. Vous êtes en plus des VIP de la chaîne, les gars, la plupart d'entre vous. Donc, surtout les abonnés en plus. Les abonnés, eux, normalement, c'est votre boulot, les gars. C'est pour ça que vous êtes abonnés. C'est pour ça que vous êtes VIP. Qu'est-ce qu'il a, lui? Snid, qu'est-ce qu'il a? Snid, il est là. Hein. Ah. Il est là. Hein. Occupez-vous d'Okaï, je vais dans la voiture, je m'occupe de. Enfin, je vais aussi, il est là. Ça va venir demain, Dylan. Ça va venir demain. Merde. J'ai besoin de la sécurité civile sur ma position pour le major. J'ai appelé. Reçu. Parfait. Il est pas Doc? Tu vas bien? En train de me soigner. Je t'ai aidé à te soigner parce que t'es pas bien. Quelqu'un a une morphine ou pas pour le... Ouais. C'est fait. Super, génial. Tu vas être pris? Mais il a pas perdu beaucoup de sang. Hein? Quoi? La salive, c'est qu'on perd de sang. Si? C'est surtout qu'on a dit qu'on perd de sang sur route. Pourquoi 23h? Vivement demain 23h, rejoindre la police. Non, c'est demain 20h, mon petit Dylan. Si tu me dis 23h. Vas-y, 3h. Pour quelle invitation? Hier, t'as un véhicule en. Non! Alors. C'est pas le bon, les gars. De quoi? C'est Moonboot, il faut faire Discord. Voilà, et celui-là c'est le bon. Le premier est le bon, pas le deuxième. Le premier. Non, le deuxième maintenant. Ah non, Taiko, là ça va être compliqué. La Taiko, c'est un casier judiciaire, ça veut dire que ton RP n'est pas 100% rebelle discret. Et pour avoir des ambitions d'être policier, il faut avoir un casier judiciaire. Il faut avoir un casier vierge en fait. Respecte mes viewers. Mes viewers. Bande de cons. Les deux marchent pas. Bah c'est pas possible. Marchait très bien tout à l'heure. La connexion 4G de l'île qui déconne. Je vais vérifier mais normalement. Les portagines, t'as la portagine. Allez ou pas là c'est bien. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont répondu quelle position, je leur ai envoyé la position, on va voir. Je leur ai envoyé un message à toi. Okay. Il y en a plein qui ont... Bah si, ça marche, il y en a plein qui ont rejoint les gars. Je comprends pas. Okay. Tiens le coup. Ouais, tiens le coup. Okay. Tiens le coup.
Oh Kai, tu vas y arriver. Je sais que tu rêves d'envie de me voir. Je sais que t'as. Je sais comment faire pour. De me revoir. Oh Kai, tiens le coup. Je sais. T'aimes m'avoir. Si tu chantes comme ça, je pense qu'il y a beaucoup. Ah bah tu vois. Allez Okai, relève-toi. La sécu arrive. Ouais Okai, la sécu. Ouais. Ah bah voilà, vous voyez que vous y arrivez les gars. Je vous ai tous mis vos rôles sur Discord. C'est le bordel, les gars. C'est avec un immense regret. Et un immense regret que je vous annonce. Non, je déconne. Ok, reste avec nous. Accroche-toi, ne va pas vers la lumière, même s'il y a des meufs qui twerk. Les médecins sont prêts. Je sais que tu rêves de ma femme, Ok, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr. Tu seras mort, mais t'as pas encore prévu de mourir. Franchement, manger un cul et en mourir, ça serait quand même assez. Dramatique. Du coup, vous avez vu mon message de tout à l'heure là, concernant les rampages? Négatif, je répète. J'ai rien compris. Ok, apparemment, ils se baladaient autour de Pierre-Gaux. S'ils avaient pris les deux sécurités civiles qui étaient sur l'opération juste avant, ils les ont lâchés à Pierre-Gaux. Et apparemment, ils se dirigeaient avec pas mal de véhicules de police en direction du nord. Ok, reçu. Ben, on va les chercher. N'oubliez pas que dès que vous voyez un véhicule de police volé, c'est code noir d'entrée. Hein. On arrive, on dit c'est la police, et là on voit que c'est vraiment la police. En tant que Kevin, on a intérêt à courir quand il va nous défoncer. Je peux vous aider ou pas? Mais on est en train de faire un barbecue. Ah, bah c'est bien ça. Vous voulez qu'on vous invite? Ah, bah bien sûr. Ah, ouais. Une petite saucisse? Ah, ouais, je suis en train de défiler, excuse-moi. Ok, ok. L'hélico, fait demi-tour sur. Bonjour monsieur, ne bougez pas. Ah putain! Ah. Moi, si ok, c'est rebelle, les gars. Ah, une personne tire dessus, Fuck chez Mac. La vie de mon fuck chez Mac. Ah non, je m'en vais, j'en suis. Ici, Odor. Pourquoi? Parce que je t'ai attendu à une carreau. Ah, vous voulez bien? Après, bon, on va pas que vous êtes commun. Dis-moi, est-ce que vous pouvez boire un bout de soja? Mettez vos positions, c'est pas paquet, je pense. C'est pas mal. Les chez Mac, c'est pas une famille armée, la plupart du temps. Mais est-ce que c'est vraiment la famille chez Magda qui est là? Ils ont exactement la même tenue en tout cas. Ouais, c'est bon, monsieur, vous allez bien. Vous êtes vous allez vous appuyer sur mon épaule. Grâce à nous, monsieur Okai. On s'est occupé de vous comme il fallait. Je dois ma vie à un rouquin. Bon, allez, les rouquemoutes, à bientôt. Merci, les anges. Merci à vous. Merci, madame, monsieur, dame. Madame, monsieur. Madame. Madame ou monsieur? Monsieur, madame? Monsieur, dame? Monsieur, dame? Monsieur, dame? Mes hommages, mes hommages, mes hommages. Ma. Elle est partie sur un pays des couilles en Thaïlande. Idou, ça arrive avec. Direction Pyrgos. Reçu, chef. Reçu. Et après, on va faire un petit détour dans l'est par acheteur de cigares et on va remonter dans le nord. Sophia. Moi, je suis. C'est à droite. Ce qui paraît bizarre par rapport à ce qu'elle m'a dit la sécurité civile, c'est que le CPA, ils viennent du nord et ils ont pas vu les rampages.
Donc c'est en train de rigoler avec les motos dans le sud. Peut-être. Si ça se trouve, c'était juste pour faire la diversion et qu'ils ont dit ça à la sécurité civile. Ah, si. Ouais, je vais suivre l'équipe, hein. Serait-il malin? Pardon? Comment serait-il à réfléchir? Qui ça? Les rebelles. Oh là. Nous sommes peut-être prêts à tout pour voir les rebelles. Moonbound fonctionne. Ah voilà, il marche. Ah oui. Hein. Ils doivent faire des photos avec. Je l'ai considéré comme intelligent le jour où on n'aura plus rien à faire sur l'île. On ne pourra plus rien faire sur l'île. Ouais, parce que là, techniquement, on n'a rien à faire. Bah, ça veut dire qu'ils sont discrets, et là, ça veut dire qu'ils sont. Gracias. Sí. En la calle. En la muchas ratita. Sí. Muy buen. Muy buenito. Ya, sí. Por favor. Por favor. Sí. Hasta la servieta tú la estén dando al ambiente. De la mucha carruades. Muchas gracias, señoritas. Señoritas. Pas douleur de bien se passer à Dragos, hein. Ouais. Mais où sont les méchants? Où sont les femmes? Ouais, non, j'ai jamais goûté pomme. De bravo, ça m'attire pas. Vous posez sur la maison en face du garage, sur le toit. Oh, c'est... Hola. Hola, seigneur. Je dis on stop. Ouais. Ouais! Y'a Whisky qui veut te parler! Oh, monsieur Whisky! Il est où? Whisky? Attendez, le commandant est demandé par la Syrah, je vous demande quelque chose. Ouais. Je sais pas, y'a Whisky qui veut te parler, mais il vient de s'endormir. C'est le gars de tout à l'heure, ça? Ah si. Ah bah il est plus là. Bon, ouais, j'ai dit descendu, il est pas descendu. Ah, par l'échelle. Ah bah voilà, c'est bon. Génial, salut! Hein. Bonne journée, messieurs! Oh, BAM W. Garde la barrio. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon allez, on va faire les points de farm. On va faire les points de farm. Il va se reposer plus loin, voilà. Il s'amuse avec nous, je pense. Ouais, la fille, ouais. Une sommation de quoi? Je vais utiliser tes sons, on utilisera la force. Ah! Ah! Let's go! VL noir au garage. Ah, VL. Affirmatif. Allez, on t'entend! T'entends pas, c'est un hélico. Parfois. Y'a un hélico. On a un hélico, je sais pas. Non, les gars. Non, négatif. Allez, on se casse. C'est pas dangereux. Direction. On l'a beau le mettre. On aurait pas demandé à ces bêtes de faire un check de l'est? Ah, si, à fond. Faites une com' longue. Je m'en occupe. Bah, il paraît de prospère. Allez. On se met. Information sur votre position? Yeah, vous m'en sauvez? Ça va pas une commande. Non, moi je suis.
Je suis à 3. Allez, on bouge. Allez, direction Viper, direction LC là. C'est parti là. Strider, vous nous rejoignez. Maximum d'effort, les gars, vitesse. Ah merde. Action vitesse, les gars. Ambiance vitesse, Strider, vous nous rejoignez sur place. Pas ceci. Passage canal 1. Sierra de Viper. Test. Non, ça a changé, vérifie carte. Ah merde, non, putain. C'est bon ça. Sierra de Viper. Sierra de Viper. Ouais, longue. Je te transmets ça. Elle écoute. Grave 2, Viper. Transmettez de Sierra. Dis-leur qu'il y a. On sait pas ce qui se passe encore. Daisy, tu veux leur dire quoi? Dis-leur qu'il y a des tirs sur la LC qui se rendent sur place. Vous allez bien derrière? Ici, on rentre déjà. Y'a que moi ou vous aussi? Non, en fait, le but c'est que justement vous. Y'a un sniper dans les environs. Au niveau de l'usine sur le silo, j'ai un Pax avec un TE là. Ouais, moi un point carte. Ouais, je t'envoie ça, t'inquiète pas. En dessous de mon dragon, on est en train de le mettre. Monsieur la police, monsieur la police. Oui, le sniper il est tout armé. Point sur carte. Il est en train de descendre l'échelle, c'est un véhicule gris. Allez, on voit. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Mettez-vous dans la LC là. Mais venez, garçon, venez, à couvert. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Ils sont là-bas. Où il est, où frérot, il est où? Ah non. Ah, le flic il a chopé. Là, c'est là, c'est là. Eh, t'as pas honte, toi? Non, mais j'ai pas. J'aurais de quoi faire. On nous a dit qu'il était sur le silo, pardon. Il est tout armé. J'ai vu une. Reçu. Il descend, putain, il est pas descendu, on l'a pas vu. Reçu. Faites gaffe au niveau tour armé apparemment. Parce qu'il a commencé à être thermique mais on va rien voir ça. C'est Connor? Ma fille. Et comment je le descends moi maintenant? Rappel. Tu le prends sur toi, rappel. Tu le traînes et rappel. C'est bien pris. Y'a du monde toi en main? Apparemment. Non, apparemment non. Oh, c'est parti. Direction. Prenez sa radio là pour voir s'il y a encore la conversation dedans. Bon, on reste là? Il a pas de radio. Allez, gaz. Allez, on va tourner. Tour armé, non? On y va? Non, tour armé, y'a rien. Allez!
check des bâtiments de l'usine. Négatif, on a juste abattu le pack, c'est on se tire avec les gars. C'est en cours de Viper. Info sur l'OVL. Le VL du pack, pardon. On a un N4 qui arrive sur zone. Ce sera apparemment le VL de Siran, belle volée. Ah ouais. Qu'un de ce côté. Fini pour Elias. Transmet. Ouais. Est-ce que tu peux nous mettre une BBPMA à la PA s'il te plaît? PMA ou juste médecin? Médecin, ouais. Ouais, excuse-moi. Donc on est en train de leur faire. On fait le bâtiment ou pas? Oui, t'es vrai. Le véhicule appartient à Nathan. Pour tous deux VL qui se dirigent vers vous à grande vitesse. Oh. La demande de médecin était demandée sur BR. C'est bien pris, merci. Je te confirme dès que c'est en cours. Les véhicules qui viennent de passer à fond vers la direction Ancho, c'est... Avec si eux, j'ai flashé une appart à 226 si vous voulez prendre, direction Agios. Oh, on va aller voir ce que c'est de ça. Tu vois, on va peut-être prendre des appels. C'est non ? Ouais. De Sierra 2, si la barre est rouge, c'était un véhicule rampage qu'on avait déjà intercepté une fois. Merci. Le TE, vous l'avez pris en charge du coup, d'autres véhicules ? Tout ce que là vous avez sur le parking, c'est disponible. Les filles sont. Ils sont déjà. Attention, mais 5 6 véhicules là, le long de la route à rester là. Où ça ? Entre les vieux, c'est pas contre un jeu. Ils vendent pas des véhicules autour. C'est pas. Ah, magnifique. Pour Viper, on y va. Et on dit merci qui ? Merci Dédé ! Non, je ne l'ai pas tué. Eh ben c'est encore mieux, il va Restez plus loin, silence, silence, quand je parle, vous vous taisez. Mesdames et messieurs, la police d'Altis a fait son travail. Soyez en sécurité pour faire du business. Et on dit merci Dédé. Merci qui? Voilà, allez, on se casse. Arrête-toi, Strider, arrête. Air se poser, allez, on se décolle. On met une air se poser aussi. Allez, promis. Au moins, c'est annoncé. La focus noire primaire, c'est galère. Allez, ah non, non, là, on est parti sur contre la rampage. D'accord. Moi, je vais faire un petit tour par rapport au casino. Parce que le casino n'est même pas déclaré. Ah, il y a fraude. Il est où ce casino? D'accord. Il y a fraude, donc ça veut dire plusieurs millions d'argent. Ouais. Qui est sommes qui sont de l'État. Allez, okay. Descend du véhicule, il a fait ses collègues radio. Excuse-moi Gaëtan, mais il faut que j'y aille là. Vas-y. Allez, à plus tard, on s'appelle. Allez, on bouge. Odor, on bouge. Allez, on bouge. Ok les gars, pour tous c'est menotté, je répète c'est menotté. Ok, on est battu. Abattez. Attention aux Hearths qui sont placés sur la route les gars. Attention aux Hearths, charge de la route. Strider, tu as pris en charge. Ah bon? Non, c'est qui a pris en charge? Où les packs là? Je sais pas. Info sur le véhicule Ford. Sur les traçons de dragon. Hein. Ok, au niveau des hélicos. Possiblement coma à confirmer. La Ford Focus Nord qui est passée, c'était avec. Ah bah moi j'ai dit d'ailleurs, venez sur position Kai à la mode. Allez, sur Kai, vite les gars, rapide. Okay. Je te laisse t'en occuper, James. Nul en Mondo. La film est en cover. Ok, il est derrière nous. Hein. Monsieur est blessé, il s'est fait tirer dessus.
Ouais, mais il a une star donc c'est illégal. Mais noté. Plus maintenant, plus maintenant. C'est plus illégal maintenant. Enfin, si, c'est illégal maintenant. Non, elle embarque plus dans le strain. Bah, elle est plus dans l'armurerie. Ok, t'en comprends. Donc je le relâche, on est bien d'accord, les gars. Non, non. Tu... il est embarqué dans le funèbre, vous vous débrouillez. Ouais, là, en fait, Lazdar, elle y est plus dans l'armure. Dragon pour unité médicale. Transmet. Bien, bien, Tanou, comment tu vas? Et les mettre en sécu. À fil, je pense, c'est marqué sur, sur carte à la BA. OPA, ouais. Afi, prends un tirage et reprends les packs sur les OMBR. RTB pour te les sirats. Les gars, c'est fini ou pas, Loukley? Tout le monde a été choqué. Ils iront au pack remarqué. Je sais pas. Oui, tout à l'heure, ouais, ça tient. Pour tous, c'est la fin du Connor là, c'est bon? Apparemment. À part si le pack sera même. Les gars, est-ce que c'est possible d'avoir une com claire et de me dire si l'opération est finie ou pas, s'il vous plaît? Spiraline, Afi, c'est fini. Ok, merci. Pour Strider, demi-tour, RTBA et Odor, pareil. Bien pris. Reçu. Vous traitez les packs, on en a un, nous. Du coup, Zira, vous leur reprochez à ceux-là à part qu'ils soient mal équipés? Ils avaient l'air de braquer quelqu'un et de le prendre en étage. Ok, bien pris. Vous avez reçu la com? Ouais, je savais. S'il n'y a pas de réponse des médecins, est-ce qu'ils sont pas disponibles? C'est le véhicule d'un Pax Odor celui-là, celui qui est dans notre voiture. Ouais, c'est vrai, tu fais en champ. Fous-le en fourrière, fais pas chier. Ouais, vous avez vérifié le contenu du véhicule du monsieur Lazdar? Vérifie le. L'intérieur. Y'a qui c'est tout. Je vais en fourrière. C'est Gordon Broly si jamais. Bien pris, bien pris. Le propriétaire du véhicule noir? Affirmatif, Mercedes 63. Vous avez aussi un autre véhicule logiquement sur la route. Oui, fais gaffe, j'ai des problèmes. Vous devez aussi trouver un véhicule au nom de Ento Smith qui est sur la route. Hein. Porte focus noir. J'ai pas envoyé en fourrière. Focus noir, j'ai déjà envoyé en fourrière. Très bien. C'est le monsieur qui est dans mon avis. Je sais pas, je peux pas te dire, t'as j'en sais rien du tout. Ça va bien se passer. Ouais, c'est bien. Non, mais comme avant elle était légale et qu'il n'était pas courant, elle est illégale. Bon, clean radio là, les gars, vous me cassez les oreilles. Donc. Passez sur vos canaux respectifs pour discuter de cuisine. Canal 1 est réservé aux opérations. C'est rare pour vous, canal. Passez à 2 du coup. Ouais. Yes, canal 2, mais pas. Bien pris. Elle est bien cette voiture. Ouais, pas mal. Qui a gagné quand je n'étais pas là? Bah, je crois que c'est la Rampage, mais je suis pas sûr. Je crois, mais je suis pas sûr. Sorry.
C'est illégal aussi. Ah, c'est un bonus déjà. Mais la porte là, c'est une bonne. Pour les Vipers là, quand vous êtes dans la BR, vous êtes en interrogatoire, vous murmurez. Pas besoin de gueuler pour faire vos interrogatoires, merci. Pas du tout. Non, pas du tout, t'en es où ? Fatigué un peu, normal. Voilà, c'est un peu. Ah, ça met lui une balle de 45 dans la jambe. Là-dedans. Ouais, je viens déposer des RPS là que j'ai récupéré. Ah bah nickel. Intéressé quelqu'un ça. Hein ? T'as l'RPS. Hein ? Je l'ai déposé. Quoi ? Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, d'accord. J'ai de la chance d'être convaincu. Ouais, casse-toi, ouais. Maintenant, c'est ça ? Ouais, pas du tout, justement, j'étais en train de me décaler. Ok. Putain, bah, normal, ça m'étonne. Donc, je pense pas que ce soit nous qui nous ait tiré dessus. Pourquoi tu m'as tué le 3 ? Quoi ? Tu m'as donné des pêches. Je suis au courant, moi. Les pêches, j'adore les pêches. Tu voulais mon GPS ? Ok, je veux dire, ça a supporté le map. Oui, monsieur, oui, monsieur. Ouais, oui, j'ai entendu le monsieur. Je comprends. Oh, tu parles de quoi là ? Trompe-paye. Hein ? Je vais te bouffer comme un gros là. Juste deux secondes. Ah, moi que vous voulez un petit morceau de gâteau ? Petit morceau de gâteau ? Hop, cadeau. Alors, début de soirée, fight à Sofia contre la Rampage. Là, c'est la Rampage aussi. En excès de vitesse, plus de 200 km/h. Avec braquage. Et voilà. C'est fini. On en parle plus. Soirée calme. Oui, mais faut rien dire. Hein ? Non, c'est fermé. Et là, il y a une porte ouverte à la LC. Là. Quoi ? Une petite main à Paris ? Ah oui, mon lapin ! C'est vrai que c'est légal les tasers. Pour dire des conneries, putain ! Pourquoi ça a été légalisé les tasers ? C'est pas une arme létale ? Une arme de taser, monsieur, pour me défendre. Oh, je préfère me prendre une balle de taser qu'une balle de Lienfield, non ? Bon. Mais le Lienfield, c'est un fusil de chasse, pour la chasse. Un taser, c'est pas fait pour la chasse. C'est pour l'autodéfense. Oui, certes. Déjà, tu peux pas abattre une team avec un taser. Eh hein. Hey. Ça dépend, c'est bon. Il a juste les mêmes tenues que les mecs qu'on a chopé en fait. Alors, tu lui mets l'association de malfaiteur. Bah, bien sûr, mais bien sûr. Il a exactement la même tenue que le mec que j'ai tâté. Cette tenue, ça se trouve dans tous les magasins de survêtement. Hein. C'était vous dans la stand ou quoi ? Moi, j'étais dans la voiture pourrie là. CPA de DD. CPA de DD. Alors les gars, vous en occupez comme des grands. Par contre, ça c'est CPA de DD. Ouais, c'est ça, j'ai une personne avec une HKM XM8 devant le.
CPA de DD. J'étais à deux doigts, mais c'est moi j'ai raté ma tatane. Si elle aurait réussi, j'aurais tatane le général. Bon, et ils font quoi, hein, CPA hein? CPA de DD. Vous avez un L4 de couleur vert avec deux tireurs sous les bancs. Vous recevez là? CPA? CPA? CPA, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Ok, bien reçu. Vous avez un L4 de couleur vert. Avec deux tireurs sur le banc de chaque côté, couleur sable, direction est, le long de des douanes. C'est rassurant, on arrive au plus vite. Il est là le commandant. Commandant ? Ouais. On fait quoi ? On a la oil et la DC qui vont faire un convoi. Bah les gaz. On va pour la DC. Ouais. Ok, c'est très bien. Bon, je vous envoie un message moi-même. Je fais une com pour les Vipers. Ouais. Tiens, pour tous les Vipers, après, il faudra qu'on se déplace pour sur la DC. Donc, si dès que vous êtes prêts. Ouais, je veux pas. Ah putain, allez, ramasse. Déjà comme ça. Non, il veut pas. C'est sa vie, justement. Alors, on se casse. Non, mais du coup, les autres sont pas encore prêts, je pense. Viper de DD. Bon, bravo, on est en audition. Allez, c'est parti, on va faire la sécurisation de la DC. De doc, on reste sur place, on attend les marchands. Reçu, allez, c'est parti, les gars, on s'active. Je mange comme un gros et j'aime ça. Oui. Des petits bonbons. Oui. T'aimes bien les petits bonbons? Oui. Et les gros bonbons? Oui. Ah, tu sais où j'en ai un. Hein. Non. Femme. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Non, pas encore. On allait y aller. On vous attend. Mmh. Reçu, on cadeau. Au plus vite. Mmh, bien, c'est bon. De partir ou pas là, et on la récupère sur le chemin ou pas? Hein? Est-ce que je dis à la DC de partir ou on la récupère sur le chemin? Oui. Ok. Fais le salut outdoor de la place. De la part de Roberto Carlos. Salut Roberto. Bah voilà. Ah merde. Désolé Roberto. Ça me dit un truc mais je m'en souviens vraiment pas. Non, hein, on va Viper sur le chemin, prenez la route principale. Viper, vous êtes prêt ou pas là? Yo mort taxi, comment tu vas? Négatif. D'accord. C'est bon, on commence à partir ou pas? Là t'as plus ça. Magistrat, général. Non, général, magistrat.
Je suis Bernd Berme, québécois. Ouais, ok, t'as raison. C'est bon ? Tu veux qu'on avance sans eux ? On va pas y aller. Dis-lui le cancer Roberto Carlos, québécois. Bon, bah voilà. Bon, on s'active, s'il vous plaît, là. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. T'as de la chance, toi. Viper, s'il vous plaît. Ça percute pas assez. Hein. Ah, mais tout, c'est que là, ils ont beaucoup de trucs. Genre, Kelvin, il vient mettre une contravention. Cobra, ils sont où, non? Galansky, Johnson. Cobra, ils sont où, non? Ils sont à droite. Jago, sont Jago, putain, ils sont que 3? Ouais, 2. Ils sont en dragon, ils sont en hélico. D'accord. Non, c'est PA, ça. Okay, ouais. Ouais. Ma femme, elle a dit qu'elle voulait pas te voir. Quoi? Elle a dit, le travail passe avant, on s'en fout de lui. Elle est dans les box, oui, si tu veux aller en DV. Non, c'est... Elle a dit que t'étais con, que t'étais moche et qu'elle était pas enceinte de toi. Ça. Et qu'elle était enceinte de DD. Ah, merde. Oh. Ferme ta gueule, tu parles trop. C'est des trucs à pas dire, ça. Quoi? Que vous avez mis en non. De ma femme? Non, mais non. Mais non. Super. Non, c'est pas mon genre, attends. Les copines des collègues restent les copines des collègues. Bon, c'est beau, c'est beau. C'est le premier truc qu'on touche. Pas. Arriver à... Tu toi, je t'entends encore dire un truc. Tu te prends une balle de 12-7 dans le cul. Non. Putain. Bon, c'est génial. Je suis polifié et je suis resté bloqué au comic arrière. Allez, écoute de Viper. Bon les enfants, je vous aime bien, vous êtes des gens sympathiques, vous êtes des gens avec qui j'aime bien travailler de temps en temps, je dis bien de temps en temps, mais à un moment donné, il faudra se bouger le cul. Au moins, on est sur la bonne radio, ou pas? 5.6. Ben si, pourtant. Bah, elle a une 4 au-dessus de nous et c'est pas de chez nous. Des reçus au général, c'est vite. Vite avant que je m'énerve. Vite. Casse-toi, dégage, va dans ta bagnole, putain. C'est pas grave. C'est bon, vous êtes chaud là, les Vipers là? Le Doc, on va être disponible sous 2-3 minutes maximum. Non, mais Doc, ouais, vous êtes un Strider, mais les autres unités là. Bon, bah c'est pas grave, nous on se casse. Bon, tous les Vipers disponibles, direction route principale, on récupère le convoi de la DC, direction bijoutier. Parti. Passage canal 1. Sierra de Viper. Vous allez faire ça en 6. Sierra de Viper. Sierra de Viper. Sierra, passage canal 1 de suite. Voilà, merci.
À toutes les unités sous canal 1, Viper, Sierra, direction route principale, on prend le convoi de la DC en sécurité, direction le bijoutier. Pour les autres unités en stand-by à la BA, bougez-vous le cul, bordel. Allez, écoute. Ah, il y a des packs qui sont à la douane sud. Allez, gaz, douane sud, priorité. Ok, bon, bah, non, du coup. Le... Changement de mission, direction douane sud. Il y a des packs qui squattent la douane. Et là, franchement, à la BA, vous bougez le fion, quoi. Canal 1. Ah, donc, on a une, on a 7 VL placés, 4 sur la douane, 4 packs sur la douane, 2 VL, 2 VL dans la ville fantôme, 1 sur la colline de la ville fantôme, les poissons mis. Bah, il faudrait entamer une petite négociation avec eux. On fait la négo ou pas? Pour la D. Ouais, vas-y. Ouais. Ok, de Viper Lead, on prend la négo. Fais attention, il y en a sûrement qui sont planqués dans les dômes et dans la ville juste à côté aussi. Aussi. On y est en France ou pas? Test canal fait. Attends que les autres arrivent. En reçu. Arrête-toi là. Je déclenche ma valise pour bouger. Y'a tout le monde qui a bougé. Ça sert à quoi ça? Bah, pour qu'ils se bougent le cul. Attends, avant que ça commence et que ça risque de partir en cacahuète, je vais me poser, je suis. Allez, je suis devant nous. On a un mec direction l'acheteur de pétrole qui s'arrête pas. Dis quand tu veux qu'on y aille. Je dois se laver, comment ça se placer autour là. Ok, bah allez, hop, c'est parti. Bah allez, de négo, je me rends sur place. Ramène le strider à la limite sur... Et qu'on voit, est-ce que vous pourrez faire... Enfin, est-ce qu'on pourrait avoir le nombre de véhicules approximatif maximum au sol? Ah merde! 7. 7 et 2 L4 et c'est écrit sur carte. Bon les Fifi! Ouais. On a bébé. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Vous prenez la douane. Bonjour. Vous prenez la douane. Alors vous prenez la douane, c'est ça? Bonjour. Allez, je fais bien maintenant. Bah, qu'est-ce qui se passe là? À qui je m'adresse? Allez, spotter, on descend. Hein? À qui je m'adresse? Bah, à la police. C'est marqué, non? Bah, je sais pas. Non, mais. Et moi, je m'adresse à qui, moi? Une personne avec un masque et des de bah ouais, bah comme moi j'ai une personne habillée armement avec un cagoule sur le visage. Bah vous faites quoi là? Fait quoi? Ouais. Sierra, vous êtes ça sert à rien là-bas. Hein? Vous faites des contrôles sur notre territoire. Vous faites des contrôles sur votre territoire. Vous avez quel territoire? À l'est. À l'est. L'est est votre territoire. Ah bon? Et vous avez fait... Vous avez un acte de territoire? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un acte de... Ah bah oui, oui. Vous avez besoin d'un acte. Donc, vous êtes sur le territoire d'un gouvernement officiel et vous revendiquez ce territoire. Vous avez tout compris. C'est rigolo ton histoire. Bah tu peux rigoler autant que tu veux, hein, tu sais. Bah ouais. Bah ouais. Bah si, ça va changer. Et tu revendiques quoi là? Le territoire. T'es bouché ou quoi? Ouais, je suis bouché, ouais. Parce que quand un mec me raconte qu'il veut revendiquer un territoire officiel d'un gouvernement, oui, ça me fait marrer, ouais. Ouais, ça me fait marrer, ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire mon boulot, mon petit père. Donc, je vais vous inviter tous autant que vous êtes à repartir de là où vous êtes nus, c'est-à-dire Sofia. Et que ça se passera bien, et t'auras pas de perte, t'auras rien.
Tu tiens l'avis de tes collègues, je tiens l'avis des miens. Bah dans l'est, vers Sofia. De Cobra pour Syrah, faites attention, ils vous cherchent. Donc, tu comptes rester ici alors? Bon les gars, est-ce que vous pouvez prendre une issue sur la négoce là, au lieu de tourner vos véhicules là, s'il vous plaît, merci. Mais mon problème c'est que t'as des mecs qui ont des joujoux. Un petit peu illégal, avec des équipements totalement illégaux, et tu es en train de me dire que tu as aucun acte de territoire, et tu es en train de me dire que tu revendiques quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais les deux en fait, garçon. C'est ça que t'as pas compris en fait. Attends, je vais sortir mon petit calepin pour noter tout ce qui va pas. Ouais, sors ton calepin parce qu'il y en a pour un sacré moment. Bon, vous me recevez ? Un peu plus haut, t'as un bâtiment construit. Bon, ça va être compliqué, les gars. Oh, clear, les gars. Ça va être compliqué. Alors, ils revendiquent tout l'Est. Et ils font des contrôles à la douane. Et ils bougent pas. J'ai un truc pour voir ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? J'ai un truc pour voir ce qu'il dit. Si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois pas ce que tu veux dire, garçon. Moi, j'ai pas envie de parler avec 4 mecs qui ont des discours complètement différents à chaque fois. Allez, hop, hop, hop. Bon, par contre, tu pourras dire à ton petit Gugus d'arrêter d'envoyer des messages, parce que ce message, je vais le prendre au sérieux. C'est quoi son message ? Ce message, il a dit, si je bouge pas, ça va chier. Donc c'est simple, c'est soit tu t'occupes de tes gars, soit je prends ce message au sérieux. Si vous bougez pas, ça va... Si vous bougez pas de la douane, ça va pas le faire. Voilà. Donc, préparez-vous. On a un point Pax TE près de Charka. Alors pour information, je suis en train de jouer un gros bluff, hein, d'accord ? On se prépare au pire ? Rafi. CP, il y a un TE du coup sur carte. Hein. Alors ? Qu'est-ce que je fais avec ce message, moi ? Bah rien du tout, c'est pas fini. Ah bon ? Ah ouais, bah oui. Comme à chaque fois. Bon, donc mon petit garçon. Donc tu comptes rester là, quoi qu'il en coûte. On va bientôt installer le petit parasol, le petit cocktail. D'accord. D'accord. Donc en un mot, t'es en train de me dire que t'as pas envie de discuter avec moi, t'as envie de rester là en fait. Ah bah voilà, bah vas-y, mais je t'écoute moi. T'es pas à l'est là, t'es au milieu là, tu vois pas qu'il y a des barrières là ? Ton est, il est l'autre côté de la barrière. Cobra, votre gauche est en ville. Bon, qu'est-ce que tu veux, garçon ? Qu'est-ce que tu veux ? Parce que si tu viens ici, c'est que tu veux quelque chose. De l'autre côté de votre bâtiment, Cobra, dans le courant. La fille, y en a deux là. Bon, bah je vais te dire ce qui ne va pas. Moi, j'ai tout un groupe armé illégalement sur un territoire du gouvernement. Ça me dérange. Donc, je te propose d'éviter des pertes inutiles de ton camp, de mon camp, et je te ramène tranquillement vers chez toi, vers là-bas, vers l'est, là, où tu seras un peu plus tranquille. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez l'est ? Parce qu'on n'a pas l'air très d'accord sur le territoire. Bah, je crois que t'as une petite villa où t'as le droit d'aller, non ? Ouais, bah, c'est bien la frontière, on est d'accord. C'est la frontière entre une extrême ouest et une extrême est. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tu stops d'aller. Eh bah écoute, si tu enlèves ton équipement, tu me poses tout ton équipement au sol et tout ça, moi ça me va. Voilà, là. Voilà, donc. Si tu veux rester là, mon garçon, moi ça me va. À une seule condition, c'est que t'as pas d'armes, t'as pas d'équipement illégal et moi ça me va. D'accord. Donc. Moi évidemment, je préfère qu'on discute plutôt qu'on utilise ce que j'ai dans le dos. Mais dans tous les cas, pas de problème vu qu'on est sur notre territoire. Mais t'as pas de territoire, c'est ça que t'as pas compris encore. T'as un papier, t'as un acte de territoire, t'as un acte signé par le gouvernement en disant moi ça m'appartient ici. Donc tu veux pas bouger. Je suis prêt à rester ici, à pas aller plus loin. Ouais. Pour éviter qu'on soit en confrontation. Par contre, je suis chez moi, donc je ne bougerai pas. Tu n'es pas chez toi, tu es sur le territoire d'un gouvernement. Légalement parlant, je ne suis pas chez moi, il n'y a pas d'acte qui dit. Ah bah voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Et ça m'empêche pas de faire ma petite loi sur mon petit territoire. Voilà. Mais ton territoire, c'est quoi ton territoire ? Le territoire, comme je le répète, c'est l'Est. Bah, tout l'Est. Donc tu revendiques tout l'Est. Donc il me semble que vous êtes la Rampage alors. Ok. Et donc, tu as décidé de rester ici quand même.
Donc je suis en train de te faire une proposition à dire, tu poses, tu dis à tes gars de poser les armes et leur équipement par terre et je vous laisse tranquille. T'es en train de me dire non. Ouais, je suis marrant. Et encore, vous m'avez pas vu en soi dans la boîte à cul, les gars. C'est encore plus génial. Et ben voilà, bah t'as trouvé ta réponse tout seul, garçon. Mon boulot, hé, mon garçon, mon boulot, c'est quoi, moi? C'est d'enlever de circulation toutes ces armes dangereuses pour la population que vous mettez en danger, que vous prenez en otage. Tu veux que je te rappelle quelques souvenirs ou quoi? D'accord. Donc tu es fermé à toute discussion. Ah bon, je vous ai mis point sur carte. Ah bon, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller boire un café. Je vais aller. Non, je m'énerve pas. Je vais boire un petit café. Tu me dis si t'as décidé ou pas de discuter plus sérieusement. Allez, je vais boire un petit café. Normalement, Syrah, vous devez avoir un bon fichu. Ah, chef, c'est déjà un très bon fichu. Le souci, c'est que le L4 de spot est actuellement. On s'occupe de L4. Paul, à tous, clean, 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 clean. Donc j'ai discuté avec eux, ils sont fermés à la négociation, je leur ai demandé de déposer les armes parce qu'ils sont sur un territoire qu'ils veulent revendiquer. Donc je lui ai dit que je vais aller boire un café et que je vais revenir pour voir s'il a changé d'avis. Si ça change pas d'avis, bah, ils ont décidé de pas bouger. Et comme ils ont pas décidé de pas bouger, les gars, ce territoire nous appartient, leur appartient pas. Ils revendiquent un territoire non déclaré. Ça, c'est un autre boulot. Donc je vais boire un café, je reviens. J'adore Kaza. Tu veux y retourner? Allez, vas-y, on y retourne. Ça me fait marrer. Et on y retourne. Bon, fiston! Du coup, 2 t'es sur. Trouver une check. Bon, fiston! Eh, fiston! Fiston! Allez, remontez, CPL. Fiston! Non, écoute, j'ai discuté un coup. T'es. Bon, fiston, j'ai bu mon café. Quoi, il n'y a pas de discussion, mais attends, hé, hey, oh, garçon, déjà, tu baisses d'un ton avec moi, je suis pas ton pote, d'accord? Ton petit coup de quoi? T'es sur un territoire qui t'appartient pas. Mais je prends pas qu'il redécolle. D'accord? Je prendrai le noir. De quoi? J'ai pas entendu, là. Ouais, ça te dérange que j'aille boire un café? Bah, moi, ça me dérange pas, parce que tu es en train de me dire que tu fermes tout. Sur ma droite? Mettez un terme sur ce véhicule rose. Allez, on s'en va. Bon, CPA, si vous voulez faire une soma, c'est maintenant. Hein. Ouais, on en a trois en vision au niveau de la douane. Allez, faites une soma, les gars. Ça veut pas discuter. Combien de temps avant d'attacher le feu? Vous faites une soma. On va en faire, dragon. Avertis-nous pour des délais. Allez, chez vous, là, j'en ai envie. Soma faite. On a véhicule direction BA actuellement. Soma faite. Code noir, c'est parti, go. Allez, c'est parti, les gars. Moi, je discute pas avec eux. Je crois que c'est. Comment au niveau du. Un coma dans la... Deux comment au niveau de la douane. Attention sur vous, Strike. Faut aller traiter les TE là, parce que... Trois comment au niveau de la douane. Trois les shoots. Ouais. C'est au-dessus de la montagne. Il reste trois là, en face de notre maison. Ouais, je pense. Je vais mettre un point. Est-ce que on a des blessés? On fonce, hein, on fonce. Où ça? Pas. Ah ouais, fonce. Je sais pas si vous voulez pas que ça. Bah ouais, c'est pas grave, tourne. Les escaliers cruisent, hein, ils vont venir, hein, ils savent prendre des signes. Est-ce qu'il y a des. Vous voyez des velles? La fille, un véhicule. Veulent pas discuter, bah. Au petit Kaza, je sais que t'es là, si... apprends un petit peu à négocier parce que là, en fait, ta façon de faire est agressive, certes, c'est bien. Mais en fait, tu fermes toute négociation en fait. C'est ça le problème en fait. Faut pas oublier que vous avez un passé, les gars, donc c'est difficile de discuter avec vous.
c'est pas grave. Avec l'expérience, ça va mieux. Aucun blessé de côté. Tu rentres pour Strike 2 ? Yes, ouais. Là où vous êtes passé, il y a peut-être des packs là à côté de la Audi RS3 noire. Tout à l'heure, j'ai vu deux packs. Ouais, c'est ça le problème. Dans la maison. Voilà, là. Il y a un mec dans la douane sur le box vert. C'est bon, c'est ni le véhicule. Quand il va s'arrêter, il s'arrête. Allez, mais non. Oh merde! Merde! Putain. Je croyais qu'il était arrêté. Ah ouais, oh, c'est bon. Là, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah? Dans la voiture rouge. De quoi? Tu fais shoot? Comment? De où? Je sais pas. J'ai deux balles. Ok, je sais, protège. Tu veux repart? Attends. Franchement, dans 3, 2, 1, c'est bon. Bon? Allez, on bouge. C'est dans la bombe en haut là. T'es dedans? Ouais. Oh, ça allait bien. C'est des rebelles, ils ont une certaine réputation à tenir, ils vont pas baisser leur froc et mettre tout moi à chaque fois que croise la police réfléchit. Non mais oh déjà Miro, tu vas te détendre sur ton commentaire. Je sais exactement ce que Kaza veut. Je ne suis pas stupide, je suis aussi administrateur sur le serveur, donc je connais un petit peu. Là en fait, la négociation comme elle est là, elle n'est pas bonne en fait. Parce qu'en fait, il ferme toutes les portes. Moi, je laisse des portes ouvertes, pas pour déposer les armes. Je l'ai invité à bouger. Il est sur un territoire non revendiqué, certes, mais pas détenu. Ah, je crois que tu parlais de moi, Miro. Excuse-moi, je t'ai failli t'engueuler. Failli t'engueuler pour rien, en fait. Désolé. Ouais, ouais, pas de soucis, t'inquiète. Il y a le point VL. Ouais, je crois. Là, c'est avec les véhicules pack. Point VL de Duroy. Oui, où il y a le VL. Ah, il y a un. Ah, j'ai revisé sur le VL. Un VL, ouais. Là où CPA tire. Les gars, faut. On en discutera, vous avez rien. Je vais vous expliquer. J'ai été rebelle, hein, je sais ce que c'est, les gars. Je vois la maison haute avec la voiture rouge. Ouais. Ouais, ouais, go. Prends la com, que ça tue trop. Retransmet, je suis entendu. Bâtiment droite, c'est top. Toujours à l'étage, ah, dans les escaliers, les gars. De tir à TE, on s'est pris des tirs. On change de position. Ah c'est bon. Pas le temps de m'occuper de lui. Hein. Allez on se casse. Le gars dans le box il a été traité. Ah ouais il est toujours. Il a la petite palette là si vous êtes en face. Bon, mettez le point à jour s'il vous plaît. C'est la HK417. En fait, c'est l'ancien Sparsage. Bienvenue, c'est la gamer. Bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. D'assaut le bunker, assurez-vous qu'il est plus. Douane clear. Dans le bunker vert sur la douane, vous confirmez. Affilié avec nous là. Reçu de Dragon, on va aller faire la suprême. Tu te mets en face, il fait que de se montrer la petite fenêtre gauche, en bas, en haut à gauche. Après on va aller sur la douane. Ouais, c'est il est où là? Sur la douane, là, juste là. Ça vient de la zone industrielle. Dans le box vert là? Non, pas dans le box vert, dans le petit truc à gauche. Mais il y en a un qui est à gauche là. Ok.
C'est bien, c'est vous qui tirez sur la douane. Merci, merci. On y va. Alors, c'est où? On va faire un coup de suppresse. Ça ou ça? Hein? À gauche quand vous rentrez. C'est bon, je l'ai eu. Ok, je me note, on le soigne les gars et on l'extrait. Immédiatement, c'est le négociateur. Allez, on stabilise les gars. Celui-là, faut le vivant. Hein. C'est le patron. Hein. Donc lui, je le veux vivant. C'est bien sur la colline où il y a le véhicule rose. Faut que vous alliez me checker ça, il y a un véhicule qui tourne dans ce secteur-là. Le gars qui est dans le box, il faut me l'embarquer dans le strider, il est quoi à vous? On le stabilise. Ok, t'as mis un point. Négatif, c'est le. La colline où il y a le véhicule rose, c'est identifiable. On le voit très bien. Garot, là, je prends le CP1, je suis les amis. Oui, mais il y a un véhicule qui tourne autour et c'est Pax. Ok, c'est bien. Je l'ai perdu de vue, donc je demande grâce que le CPA aille me le repérer. Merci. Ok, c'est bon, il est stable. Attends, je mets une salle. Dédé, je suis devant, j'attends. Ok, Dragon 1 pour Syrah, cercle noir, le Pax est dedans. Dédé, je suis sur la gauche, je crois pas ça. Un fi. On bouge. Putain. Jouez ça. Je vois pas les dents en traquer à solo, c'est trop risqué. Je sais pas s'il y en a encore plein en face. Bah c'est pas grave les gars. Là tout un clic, ouais bah oui, bah bienvenue à tous les Rampage les gars. N'hésitez pas à follow les gars, ce sera plus facile pour trouver la chaîne. Info, ils sont où le reste hein? Alpha pour Okai, on arrive sur toi. Bien pris, c'est bon pour l'instant, vous inquiétez pas. Attends, il est où Okai là? Je sais pas. Putain, j'ai l'impression de crier moi en fait. Y'a un contact à toi, Kram. Coma de Bibi. Merci Beers, merci à toi d'avoir follow la chaîne. Bienvenue les Rampage, bienvenue à tous. Là, en face, juste là. On le récupère dans le dragon. Sur Cédric. Info sur les packs zone industrielle. Traité. Ok, c'est bon. Par contre, vous avez un collègue à vous qui est coma. Organisation. Allez, besoin de renfort, les gars. Besoin de renfort sur ma position là. Un pack, je suis gravement blessé, odeur couché. Tu peux mettre des compressions du pack si tu tires en l'air. Non, non. Il est coma. Venez sur ma position, vite. On est là. Pax coma, tu confirmes? Un fils, je l'ai abattu normalement, il est coma à l'étage du bâtiment cassé. Tu confirmes, il est coma, tu peux y aller. T'as besoin d'extraction pour odeur? J'arrive pour cet odeur, bouge pas. Par l'altitude de Dragon 1, tu me l'embarques. Ok, le pack s'est soigné, j'ai besoin d'une extraction s'il vous plaît. Marquez dans les 4 les gars. Ok, vous avez pas ses collègues dans les 4, go. Ouais, franchement, je vais chercher du chèque, je mets au cul. Hein. Négatif, autour de l'attentif. France, médecin. Très bon. Ah, c'est bon, je suis soigné. Moi. Ouais, j'ai juste besoin. De Scott, elle a kill la Porsche là, qu'elle soit pas abandonnée. Hein.
Cédric, ça. Transmet. Oh, cassez-vous les gars, cassez-vous. Sur moi, restez en haut du bâtiment construit. Sur moi, c'est qui? Vinny. Warren, derrière nous. Une info sur la provenance des tirs ou autre. Attention, sniper sur ma position. Aiden, reste. Ouais, reste. Putain, il l'a tiré de où là? A tout, j'ai besoin de renfort sur ma position. Balise déclenchée, j'ai un TE quelque part. J'ai perdu un homme. C'est reçu? C'est bien reçu. Pas reçu. Dédé, sans rappel juste en dessous. Ça venait de la ville fantôme, là, la petite forêt, je pense, entre la ville fantôme et la ville. Bon, désolé fiston, mais j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Cédric. Transmet. Pas bien. Ok, c'est pour vérifier que tu sois encore en vie. Ouais, je suis vivant, mais j'ai un gars gravement blessé sur mon ancienne position. De CPA lead, j'ai les snipers. Ouais, okay. il est mort, je crois. Ouais, il est mort. Rouge sur carte tout près de Pôle emploi. Des stockages. Voilà. Où t'as buté mon collègue là. Ok, rond rouge. Je suis content. De Hawkeye, okay, on va les occuper du point rouge mis par Lansky. Ouais, fille, on y va aussi de là. Vous arrivez par le sud, nous on va arriver par le nord au sud. C'est le moins de route possible avec vos vies. Merci, studio bébé, merci à toi d'avoir follow la chaîne. Les gars, merci à tous. La Rampage est venue. Merde, bon. Et là on va crever. Hop. Merci à tous, les gars, d'être venus. Venez follower la chaîne, elle est plus facile à trouver après votre décès. Pas de soucis, les gars, bienvenue. Pas de polémique sur le chat, s'il vous plaît, ce serait sympa. On gère ça entre grandes personnes et joueurs. On a la même passion, n'oubliez pas, le même jeu. Dédé, Vigny. Transmet. C'est ok sur vous? Ouais, va y, on va pas. Lorsque tu les as. Ah, fils en dessous de moi actuellement. Ok, vite pris. Essaye de tenir en arrière. Affirmatif. Il est où, Lorsque? Ah, n'oubliez pas qu'on joue tous sur le même jeu. Est-ce qu'il avait 10 mètres, c'est ça? Ouais. On se casse. Tiens. Info. Bébé. Ouais. Bienvenue à tous, les gars. Bienvenue à tous. C'est l'éclat, c'est l'essentiel. On s'amuse. Bébé. Oui. Quand t'es en train de dire qu'on s'amuse. Je veux juste. Ah, parce que. Quoi? Parce que je lui ai demandé si je pouvais compter, il m'a dit non, mais j'ai vu un mec à 600 mètres et 10 minutes plus tard, et du coup je pouvais pas prendre le mouvement de rush. Ah, t'as pas fait. Ils sont deux dans le véhicule, c'est les snipers, ils dirigent le foot. Ok, vite pris, il fait une communication longue, demande à s'il n'y a pas une unité supplémentaire qui vient avec. Oh, showtime! Ah mais c'est bien les gars, parce que moi je suis content de cette famille rebelle, de Rampage, parce que vous montez de en niveau... Vous montez en niveau, et ça c'est bien, parce que quelque part il reste plus que vous en fait. En rebelle, il y a encore d'autres teams plus discrètes, mais au niveau agressivité vous êtes bien. Après il faut savoir qu'en la jouant agressif comme ça, bah forcément il risque d'y avoir beaucoup de gunfight, mais bon. C'est ML 63. Personne pour Lansky? Transmet? Vous l'avez exposé là? Vous êtes toujours en ego, mais ça j'en discuterai. J'arrive sur vous. Plus tard avec Kaza et Joe et tout ça. Voir à peu près comment on peut vous aider à améliorer le truc en fait. Parce que c'est important d'améliorer le truc aussi.
Là, par exemple, sur la négo, là, j'ouvre des portes. Et Casa ferme les portes. Donc, pas de problème. Non, le problème, c'est que ça finit comme ça, en fait. Ça casse. Après, j'aime bien énerver les gens avec mon... J'aime bien énerver Casa avec mon café aussi. Mais bon, ça... Voilà. Mais c'est fait exprès, en fait. Carrément. Joe, il a bien joué. Bah, je sais que c'est Joe, donc... Hein ? Big Kiss à celui qui était dans le taxi rose, qui s'est pris une tête dès le début, par moi, à 600 mètres. Ah. Ah, mais attends, c'est pas fini, attends. Non, on n'est pas à l'abri de pas se prendre une tête, non. Avec ma chance, je me suis amené... Dédé, tu m'entends ? Dédé, ça... On se met. Dédé, remonte. Allez, on bouge. Vous pouvez confirmer la présence de Pax ou pas ? Ils ont tous arraché, c'est pas normal. Ils sont encore là, quoi, putain. Steam down ? Pourquoi Steam down, Jason ? Fais doucement. Ça va prendre un téléphone en gros. Le fait que nous c'est le bordel à la radio parce qu'on est en train de reformer la police, moi ça me... Oh ! Ça me crispe parce que j'entends rien, plus ce son du jeu, plus faire attention à vous. Donc des fois je parle un peu fort. Mais c'est pas voulu les gars. Faudrait que les flics aient une obligation de passer le stage de conduite, ça devient gênant. T'es content. En tout cas, merci à tous de me rejoindre. Ça fait plaisir, à chaque fois que vous mourrez, vous venez, c'est sympa. Ça encore, on le prouve que ça sert de streamer. C'est quoi ça? Vous confirmez encore des packs direction Sofia? Négatif. On emmène les packs qu'on a combat. Reçu. Est-ce qu'on peut venir avec vous pour soigner? Moi je sais que Kaza il est là. Désolé mon petit café, mon Kaza pour le coup du café, mais c'était trop tentant. On va se confier pour réanimer le match. Pas sûr, monsieur. Non, c'est pas entendu ça. Non, là il est sur stream, je sais qu'il est sur stream, il écoute. Je connais mon petit Kaza. Bien sûr, c'est ce qu'on disait dans la police, c'est qu'une fois que vous êtes dans la police, vous pouvez demander après à... Du coup, James, tu les laisses et... C'est bon, il est réveillé, le mien est réveillé. Monsieur, les deux sont réveillés, on vous laisse les embarquer dans vos VL. Reçu. CPA de DD. Transmet. Vous pourrez refaire un petit check thermique pour voir s'il n'y a pas un TU qui traîne. Au moins, vous voulez qu'on les sécure, qu'on les amène jusqu'à la baie en hélico? Non, négatif, ouais, vous allez faire un check encore thermique tout autour, et nous, dans les véhicules, on va prendre les packs direction BA. C'est reçu, on va plus retourner vers la oil, du coup Dédé, normalement ici il n'y a personne d'autre. Ouais, vous êtes grand, les gars. J'ai fait la DRQ quand je me suis posé en route. Ok, unité terrestre, vous allez direction B avec les PAX et le CPA, vous allez faire le check. Chargé. En
Putain, faut même que je règle mon son parce que putain, moi ça me crispe les oreilles. Réitéré, ok. On a un pack réanimé, on ramène à la BA, terminé. C'est bien pris. Ah, mais là aussi. Tosh, tu sais avoir des réponses. Bon, par contre, ça fait plaisir, on a bientôt atteint ça, la barre des 300 follow, les gars. Bientôt la barre des 300 follow. Ça fait plaisir, merci. Non, follow, c'est ceux qui cliquent sur. Voilà, on les recommande, des serveurs vont changer, ils ne recruteront que des policiers au minimum adjudant. Bah voilà, t'as la parole du général. Oui, c'est ça, c'est. Putain, j'ai chaud, moi, avec l'éclairage. Le bélier, j'ai cassé. T'as un pack dans la tablette. Merci Nico de ton follow, merci beaucoup à tous ceux, tous les nouveaux followers. Je vous invite à vous inviter sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays que vous avez arrêté ou aimé, et sur Discord pour nous rejoindre pour les jeux en communauté. Merci à vous tous, merci beaucoup. Moi après je fixe les règles sur mes lives les gars, vous pouvez regarder le live, il n'y a aucun souci, moi ça me gêne pas, tant que vous l'utilisez pas pour le jeu, pour Streamstalk, pour voir les positions de la police, pour voir les positions des tireurs, pour voir ma position, voilà. Tant que vous n'utilisez pas ça, moi ça me dérange pas que vous jouez, que vous regardez le live à côté, au contraire, c'est fait pour ça, mais je veux pas d'utilisation... utilisation à but à nuire au serveur et au jeu des autres joueurs, je précise. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais pas les laisser tout seul. Ouais, on regarde des c'est comme moi là, hier hein, on a fait une opération, je me suis fait buter par un snipe, je l'ai dit sur le chat parce que tout le monde le savait, mais je t'ai pas dit où était le snipe parce que t'étais encore dans l'OP. C'est vrai. Je l'ai vu, hein, je l'ai regardé droit dans les yeux. Hein. Putain. Ah bah t'as bien fait. Le but c'est ça. Oula, la BM là. Hop. Si. Attends. Si ça fait demi-tour, non. Normalement. Non, c'est deux BM. Je sais qu'ils aiment bien les BM. Attends, je vais faire demi-tour sur la. Non, on est tout seul. Ah bon. Ah ouais, bah vas-y. Ok, il y a deux qui ont cassé et Odor qui a cassé aussi. Sympa. Merci Veillon. Odor, attends, on attend en cas ici parce qu'on a vu les BM se balader. Bah. Tiens, mais est-ce que tu me reçois? Bon, on peut partir. Il est mort. Je vais reconstruire le casque. Ah, je vais prendre le set. Ils ont cassé derrière. Je répare les rêves. On va y arriver. Je suis 45 sur. Ah ouais. Quelle est cette position obscure? On va se mettre un peu plus loin devant. Pas trop non plus parce que. Non, mais on a un avion, Marco, s'il te plaît. Vas-y, je te les côtés. Ouais, ça commence à faire des petits efforts de radio. Ça commence. Mais à partir de demain, je vais rebriefer tout ça.
J'étais en phase d'observation. À partir de demain, je vais mettre mon grain de sel. Je suis pas trop près. Quoi? Je suis pas de trop près. Je sais. Mais non, t'inquiète. Calcul les vies en voltage. Approche-toi. Ah, Dumas, je suis dit. Doc, mon DD. On se met. On a le négociateur du coin. Ouais, bah c'est le patron parce que c'est lui qui donne les ordres. Donc, Sierra, vous faites votre boulot et vous me le mettez en tôle celui-là. Ouais, dites bon, Sierra, je peux pas le travailler. J'aurais besoin que tu viennes aussi. Ah, j'ai vu. Redfield pour Sierra. Ah, écoute. Je vous attends à l'étage de la BR. De Scott, ne t'inquiète pas, je quitte la radio. Il faut absolument Sierra rapidement. Sierra, 2DD. Vous m'occupez vite fait du négociateur qui est en hausse. À mon avis, c'est le chef, vu comment ça s'est passé sur la négo. Et vous me foutez en tôle. Ouais, bah vous me le mettez en tôle celui-là. Mais après. Parce que sur la négo, il donne des ordres à tout le monde, donc c'est le patron. Pas vu des infos Gona. Hein. Ouais, c'est bien pris. Ouais, donc vous êtes pro, les gars. J'ai un couteau tout neuf. C'est l'équipement, c'est pas des armes, t'inquiète. Il y a votre carte d'identité, s'il vous plaît. Mais il est insupportable à siffler là. Est-ce qu'on a l'identité des gens, du mec là-dedans? Là, il siffle pas, il siffle depuis qu'on est parti. Ah bah c'est pas grave. Sierra de DD. On a, à mon avis, le deuxième patron dans la caisse, hein. Mais je suis pas sûr. DD. Il nous a confirmé que c'était le chef. Il est dans les fichiers, il est noté comme le chef. Lui, Joe McKenzie? L'autre, le mec en haut là. Ok, mais il y a McKenzie là-dedans, je crois. Non, je crois que c'est McKenzie, mais je suis pas sûr. A voir. Le 7h, il est à son interrogatoire en haut. Ouais. Ok, c'est ça marche. Ah, commandant, je me souviens un coup, ils m'ont kidnappé les Rampes quand j'étais encore ministre. Ah ouais? Et c'est quoi les noms? Je sais qu'il y avait un Flavio Maschetto. Voir sa gueule. Il y avait un Casa. C'est un peu plus haut là-bas, là, dans l'Est. T'as le numéro de Gaëtan ou pas? Ouais, mais je peux contacter le 22, ça. T'es un chauffeur. Et il est pas là, Gaëtan, je pense. Je vais demander à ma femme. Tu siffles quand tu le vois, ça. Indisponible. Non, c'est pas moi qui siffle. Contacter ma femme. Ouais, non, Gaëtan. Mais tu vois un poulet, tu fais. Mais il est pas là, Gaëtan. Hein? Il est pas là. C'est ta moustache, me le raser là. Bon, ben non, assistance. Oh, je connais la voix. Oh, Dédé. Oh, Dédé, la métallique. Et alors? Eh, t'as baisé là-bas, moi? Eh bien écoute, j'ai pris celle qui avait 62 ans là, elle était pas mal. Pas mal. Ah ouais, ouais vrai, elle est pas mal. Et je te l'ai toujours dit, une femme sans dents, c'est une femme qui te donne. Mais par contre, Dédé, elle m'a pas donné son nom. J'ai cherché pendant des heures à discuter et je lui ai filé. Ah non, elle te donnera pas. Y'a un problème. T'as payé avec les 8 millions que je t'ai filé? Dédé, j'ai filé pas mal de sous sur la PO de l'autre fois. Ouais. Elle a rien voulu donner. Ah putain! J'y ai dit, c'est Dédé qui m'a filé ça, mais bon. Elle s'en foutait. Ouais, l'essentiel, c'est que tu t'as pris ton pied, tu vois. Ouais, j'avoue, c'était pas mal, mais j'y reviendrai. Ouais, nickel. Nickel, mon petit fufu. Non? Bon, allez, à bientôt, hein! Allez, à plus, ma poule. Y'a un problème avec ce bonhomme. Par contre, Dédé. Ouais! Il faudrait que je bois, donc j'y ai dit trois fois à ton collègue. Mais ouais, bah vas-y, détache-le pour qu'il boit. Laissez rien par terre traîner. Allez, vas-y, bois. Allez, bois. Ah, par contre, Dédé, t'aurais une petite bouteille d'eau parce que là, j'ai que des donuts que j'ai récupéré sur tes collègues tout à l'heure. Ah, ouais. J'ai pas de bouteille d'eau par contre. Fais le malin, lui. Ouais. Tiens. Merci. Allez, vous faites ce que vous allez faire. Oh, le prix, raclure. Oh, la route de secours. Oh, lui, je tout lui calé. Hein. Tu peux appeler Gaëtan? Je vais mettre un coup de patate. T'as le numéro? Il est pas là. Putain! Il est pas là, pas là. Oh, ça disparaît. Je vais lui mettre son baillon. Bah, comment on fait alors? Bah, tu veux en faire quoi? Bah, en tôle. Eh, Brigadier, tu peux appeler la magistrate. Bah, appelle-la, tiens. Dis-lui de venir rapidement. Elle a 10 minutes.
Est-ce que vous avez la capacité de supprimer des dossiers? C'est un petit scap. Non. Non, merci. Ah, c'est bon, je l'ai. Comment? Mais je sais pas si elle aura le temps, mais au pire des cas, ne pas me la faire. Bon, allez, messieurs, vous me les préparez pour le transfert à la prison. Non, mais ça fait 10 minutes que j'essaie de le préparer. Non, pas la prison. Hein, commandant? Ouais. Si je suis l'heure, au pire des cas, ils seront rapides. Quoi. On peut pas les faire en prison maintenant. Non, non. Non, 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 non. Eh, j'écoute test. 125 lingots. Eh, j'écoute test. Voilà, j'ai. Non, 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 laisse-le dedans. Laisse-le dedans, il va être transféré plus tard. Ouais, au pire des cas, commandant, vous me filez les noms et je les filerai à ma compagne pour qu'elle les mette en tant que. Ouais, bien. Là, je te les donne. Ouais, c'est ça. Alors. Il y a Joe McKenzie. Attends, je les note. Hop. Au moins, elle arrive, mais si jamais elle vient pas à temps, moi j'aurai les noms et je lui filerai. Joe McKenzie. Ouais. Kazakov. M-C-K-E-N-Z-I-E. Ok. Kazakov, Lijo, avec un J. Ok. Je sais qu'il y a Flavio Maschietto. Ouais. Et voilà. Warren, t'es là? Bah je finirai les trois noms si jamais elle n'arrive pas à temps. C'est ça. Mais le truc c'est qu'en ce moment la prison elle est pas ouverte je crois. Hein? En ce moment la prison elle est fermée je crois. Parce qu'ils ont pas, ouais. Ils sont pas... Ouais mais faut foutre en tôle, c'est les... Il y a les chefs de la Rampage là qu'on a. Tu vois en fait faut... En fait j'avais raison en fait. Tu vois ouais. Faut pas les laisser agir en fait. Ah mais non, tu rends pas les laisser agir. Les choper avant. Je suis toujours dans l'attente d'un de quelqu'un pour gérer Kazakov Viro. C'est bon, elle a appelé la magistrate, ils vont être convoqués ultérieurement. Ah mais gardez-les, ils vont peut-être arriver à temps là. Mais vous les gardez jusqu'à la fin là. Ah puis j'y discute. Tiens le véhicule. C'est un hélico rouge, vous tirez pas, c'est la magistrate. Qu'est-ce qu'il a? Mais t'as pour rien. Bah alors, je t'avais dit que je te laisserais du temps, le temps que j'aille boire un café. Ah bah j'espère qu'il était bon ton café. Ah bah oui, je t'ai dit, je vais boire un café, je reviens et... Ah bah oui, je t'ai laissé le temps mon gars, j'ai bu mon petit café. Ah ouais, bah c'est bizarre hein. La prochaine fois, me ferme pas la discussion comme ça, c'est pas bien fiston. En plus, on a ton collègue Joe, c'est con. Ouais, on a Mackenzie aussi maintenant. C'est con. Ah, on vous a tous. Ouais, bah ouais, j'ai cherché des chargeurs parce que j'ai un peu tiré quoi dans les échos. La prochaine fois, je t'emmènerai avec moi boire un café. Ça va. Tu veux pas venir avec moi à la boîte à cul? Non, non, ça ira. Allez, s'il te plaît. Ouais, ça va. Putain, mon... putain. C'est quoi son nom lui déjà? Kazakov Liro. Putain, Kazakov. La prochaine fois, laisse-moi te payer un café. Il est sauvé bien bas, apparemment. Je sais qu'avant il était chef et maintenant il est plus chef. Non, mais il est jamais chef en fait. Il est chef quand ça l'arrange. Ah, il l'a été à l'époque. Maintenant, apparemment, il a accroché. C'est ça. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il a forcé un de nos collègues à le. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Après, je lui ai fait pareil. Et depuis, on est copains, hein, Kaza? Ouais. Depuis, on est potes. Vous avez dit qu'il était volontaire. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, la prochaine fois, je t'emmènerai prendre un petit café. Tu verras, ce sera plus sympathique. Ouais. À casa. Oh non. On va me devoir 10 millions, c'est plus deux fois les gars. Mais c'est quoi ton. Paris, rappelle-moi les termes du contrat. Un 1v1. D'accord. D'accord. Alors, c'était comment les contrats? Ouais, voilà. Voilà. Bon, c'est bien. Tour de contrôle. Ah ouais. Il y a du pognon. Oh non, je vais pas appeler. Il y a du pognon. Tu vois le pognon ou pas? Ouais. Putain, pourquoi j'arrive pas à le ramasser? Moi non plus. Quel drame. Non mais non. Il est déjà depuis tout à l'heure. Pour tous, Kazakov, il est où là? J'ai Il est dans la boxe. Ok, reçu. Lille.
Ah, j'ai presque envie de faire un truc, mais c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Et voilà, les amis. Fin du rendez-vous journalier, 20h minuit sur altislifefrance.com. Petite soirée sympathique. Petit gunfight vers Sofia qu'on a perdu, que Rampage a gagné, il me semble. Ensuite, voilà, la petite soirée tranquille. Et pour finir, un petit négociation avec Warren Cruz à mes côtés. Petite action sympathique, j'ai trouvé ça sympathique avec la Rampage, malgré vos diverses idées et discussions sur le chat. N'oubliez pas que le chat n'est pas là pour se pourrir. Chacun a son avis, certes, mais on a tous la même passion du même jeu, on joue tous sur le même jeu. Ça ne sert à rien de lancer des polémiques. Chacun voit midi à sa porte. Discutez tranquillement sur le chat, ça ne me dérange pas. Ensuite, concernant les tout nouveaux followers, Rampage et autres qui se sont followés ce soir, merci à vous. Merci de m'avoir rejoint. En fait, quand vous allez mourir, vous allez trouver plus facilement la chaîne. Ce sera beaucoup mieux. Et même, personnellement, ça ne me dérange pas que vous avez le live à côté. Mais surtout, 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 et là, c'est l'administrateur d'ALF qui vous parle, ne l'utilisez pas pour jouer, pour trouver des positions ou faire un exploit sur Twitch. Ça ne sert à rien parce que moi, derrière, je sanctionne quand je trouve qui c'est. Bref, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont resub. On a bientôt atteint la barre des 300 followers. J'espère qu'on va l'atteindre rapidement ensemble. Moi, je vous donne rendez-vous, comme tous les soirs, demain, 20h minuit sur ALF, sur un autre jeu ailleurs ou autrement. Là, il y en a un qui a réussi à me taze, c'est super sympa. Je vais le défoncer, celui qui m'a fait ça. Donc voilà, merci à vous tous. Merci Babou d'avoir rejoint la famille. Moi, je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous et à bientôt. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.